Bébé, s'il te plaît, arrête. Arrête, arrête. Ah, ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ah, mais faisons-le maintenant. Toi aussi. Ah, ah. Tu n'as même pas encore pris ton bain, je veux dire. Tu n'as pas encore pris de douche. Louche? Non, je n'ai pas pris la louche. On finit d'abord, après je vais prendre la louche. Pas question. Pas question que je te touche comme ça. Pas question. Il est question. C'est ce soir. Je peux le ressentir dans mon ventre. Tu entends quoi dans ton ventre? Hein? Mon ovulation. Voyons, arrête de me raconter des bêtises. Tu exagères un peu là, allez. Allez, viens, on commence. Ah. Commencez quoi? Mais commençons, attends, non? Attends. Ah. Allez, retire ta doucement, cravate. Doucement. Alors, on commence. Mais c'est quoi le problème? Commençons quoi? Maintenant. Quand veux-tu qu'on commence? Tu ne veux pas commencer? Hein? S'il te plaît. Allez, retire ta cravate. J'enlève la cravate. La cravate n'empêche rien. La cravate n'est pas un problème. C'est quoi le problème? Je sens mauvais? Je suis une belle fille. Oui, c'est vrai, tu es une belle fille, mais tu ne t'es pas lavée. Tu n'as pas encore pris ta douche. Laisse la douche. Commençons simplement. Quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on commence? Tu es une voiture? Tu es un véhicule? Je ne suis pas une voiture. Je suis un gros camion. Gros camion. Et je sais que tu aimes beaucoup conduire les voitures et les gros camions. Allez, viens me conduire. Viens maintenant. Ou alors tu n'aimes pas ça. Viens conduire ton camion. Gros camion. Gros camion, gros attends. Camion. Viens conduire attends, ton camion. Vas-y, doucement. Allez, viens. Permets au moins que je retire la cravate. Mais tu as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas la retirer. Retire-la vite. Viens conduire attends. Ton camion. Attends. C'est un gros camion. Allez, viens. Tu es d'humeur. Je ne suis pas d'humeur. Peux-tu prendre une douche, s'il te plaît? Ah. Attends, ne... Dépêche-toi. Ne détruis pas. C'est bon, pourquoi est-ce que tu ne marches pas un peu? Vas-y, fais des 100 pas. Va marcher un peu. Je vais marcher un peu. Pas. Vas-y. Oui. Ebeli. Prenez soin de vous, d'accord. Allez, va-t'en. Ah, viens. Ebeli. Oui, mais... Tu dois dire mais... Ebeli. Mais pas. Mais... Allez, embrasse-moi. Amusez-vous, d'accord. Doucement. Hey. Doucement. Doucement. Mais à qui est-ce qu'elle parle? On ne va pas aller doucement. Va-t'en. Ah, Ebeli. Mais... Plus fort, je ne t'entends pas. Ebeli. Mais... Ah, Ebeli, je t'aime. Mais... Je t'aime, embrasse-moi. Ebeli, je t'aime. Vas-y, dis mais. Dis mais, plus fort. Mais... Ebeli. Ebeli. Allez, commençons okay, maintenant. On commence. Allez. Ebeli. Plus fort. Allez, ma bouche. Ebeli. Ah, le diable. Je,
J'ai oublié la tasse. Ah! C'est le diable. Laisse-la. Ah! Est-ce que tu vas bien? Laisse-la. Regarde, elle va bien. Et Belly! Allez, réponds. Mais... Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Mon âme, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Mon champion, il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Mon bébé est un homme fort. 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 Mon bébé, il est fort. Il m'a fait du bien. Hey! Mon bébé, il est tellement fort. Tellement fort. Marie, c'est bon. Ça suffit, ok? C'est bon. Ça suffit? Ça ne peut pas suffire. Tu as fait un bon travail. Mais j'ai décidé de ne pas pleurer. Ah! Kojo! Écoute, quand tu rends une femme heureuse, cette femme va chanter comme un perroquet. Elle va chanter. Tu es sucré. Marie, c'est bon. Arrête ça. Je crois que ça suffit. Oh. Ah, ma chère. Si Ebeli te cogne, comme il m'a cogné aujourd'hui, la façon dont il m'a conduit aujourd'hui. Ah. Et tu n'as pas accouché? Tu n'es pas tombée enceinte? 1 an, 2 ans, 3, 4, 5, 6 ans! Ah! Tu sais ce que ça veut dire? Que tu es une veuve! Non, ce n'est pas veuve. Tu es stérile! Ah! Agan, Agana Febe, tu es stérile. Écoute, bébé, si c'était moi, j'allais te donner des enfants. J'allais te donner beaucoup, beaucoup d'enfants. Tu vois mon ventre? J'accouche des garçons, j'accouche des filles, j'accouche des garçons, j'accouche des filles, des jumeaux, des triplés, des communautés, des villages, absolument tout. Je peux tout accoucher pour toi. La batterie de ta loco... de ta locomotive est morte. Ah! Ah! Rosie! Arrête ça! Ah! C'est quoi ton problème au juste? Elle est stérile. Ah! C'est dommage pour toi. Ok, Marie, est-ce que tu peux arrêter? Espèce de chèvre dégoûtante.
Je pense que c'est mieux que tu ailles te coucher, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de faire elle tout ça. Elle m'a même insultée. Une femme stérile me traite de chèvre dégoûtante. Ah! Espèce de femme stérile! S'il te plaît, c'est bon. Va te coucher. Je vais dormir dans la chambre d'Amé. Va-t'en. Amuse-toi. Nous allons le refaire. Nous allons le faire. Viens. Et Belly, ne fais pas comme ça. Ah, tu es trop sucré. Ah, et Belly. Ah, ah, je t'aime. Je t'aime. Et Belly. Oui, allons-y. Allons-y à l'intérieur. Ah, hey. Ok, faisons d'abord ça. Je vais lancer. Donne-moi attrape donc. D'abord. Ça suffit. Attrape bon, le vas-y. Donne-moi. Attrape donne-moi le. Alors. Ah, mais attrape-le. Et Belly, attrape le. Tu peux aussi me donner. Attrape d'abord cette oreille. Vas-y, bébé, donne-moi. Donne-moi. Non, pas comme je ça. Je veux aussi lancer. Attrape. Ah, yay yeah. Non. C'est corps. Mon tort. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Chérie. Ça, c'est vraiment triste et une mauvaise situation pour toi. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Abandonner ton foyer? Non. Loin de là. Il faut j'aime mon mari. J'aime ma belle. En plus, nous avons traversé des tas de trucs durant toutes ces dernières années. Je veux dire, j'ai de merveilleux souvenirs de notre relation avant et après notre mariage. Écoute, on parle là d'une personne qui s'est tenue à mes côtés d'innombrables fois. Rappelle-toi que cet homme m'a suivi à l'université. Il a payé ma scolarité et s'est occupé de moi jusqu'au niveau master. Alors je ne peux juste pas le quitter parce que sa famille lui met la pression d'avoir un enfant. Ouais, je comprends parfaitement. Je comprends parfaitement ce que tu ressens et les raisons que tu as données. Mais quand une personne qui a été ton amie pendant autant de temps et qui devient subitement ton ennemi, qu'est-ce que tu vas faire? Resteras-tu son amie? Au fond, j'ai un syndrome d'ovaire polykystique. Ce n'est pas la faute d'Abel. C'est arrivé, c'est la nature. Je ne peux pas produire des ovules matures dans mes ovaires. Par conséquent, je ne peux pas avoir d'enfant. Et Abel est resté à mes côtés ces 8 dernières années. Ce n'est pas de la faute d'Abel, c'est la nature. Alors, ce qui est drôle, c'est que je ne peux même pas opter pour une reproduction assistée. Disons que je prenne une ovule mature dans mon corps, le fertiliser avec le sperme d'Abel et le mettre dans le corps d'une mère porte, c'est impossible. Donc, je ne peux pas tomber enceinte, ce n'est même pas envisageable. Le fait que ses parents lui mettent la pression pour avoir des enfants et leur donnent des petits-enfants, au fond, ce n'est pas de sa faute. Et que diront les gens si je le quittais maintenant? Est-ce que cela me donnera la paix? Est-ce que ça va l'aider d'une certaine façon? Écoute, j'ai décidé que, au lieu de laisser ma belle famille chercher une femme pour mon mari, je le ferai moi-même. Je vais prendre cette responsabilité et trouver une personne qui me respectera. Venir ici, vivre ici, ne va pas me combattre ou essayer d'être au-dessus de moi. Quoi? Oui. C'est la meilleure décision que je puisse prendre vu la situation. Je vais chercher quelqu'un qui ne va pas compétir avec moi, qui va m'obéir et avoir des enfants avec mon mari. Eh bien, aussi fou que cela pourrait avoir l'air, je pense que tu as totalement raison. Oui. Ouais. Parlons même de ça. Tu es mon ami. Ouais. Tu es célibataire. Es-tu disponible? Disponible pour quoi? Pour épouser mon mari. Rose! Quoi? Tu es folle, est-ce que tu t'entends parler? Attends, comment peux-tu penser à une chose pareille? S'il te plaît, enlève ça très rapidement de ton esprit, s'il te plaît. Pas de souci, j'ai juste... L'idée m'est juste apparue et j'ai décidé de demander, mais c'est pas... Je ne peux pas le faire, s'il te plaît, je ne peux pas. D'accord. Je vais juste chercher une lettrée, une paysanne.
qui va venir ici et juste avoir des enfants avec mon mari. Une personne dont mon mari ne va pas tomber amoureux. Il ira juste vers elle dans le but d'avoir des enfants. Cela m'exclut complètement de tout ceci. Parce que je ne suis pas une paysanne illettrée. Je n'ai pas dit que tu l'étais, j'ai juste dit que si ce n'est pas toi, alors ce serait une illettrée et paysanne. Et je pense même que c'est la meilleure option. Abel, voici la jeune fille dont je te parlais. Elle s'appelle Sandra et elle a juste 20 ans. Hein? Mm. Dieu sait que j'ai cherché et demandé aux gens de partout, dans tout le pays, hein? À la recherche d'une belle jeune fille qui est en âge de se marier, en âge d'avoir des enfants, hein, qui pourra nous donner un enfant. Je comprends. Une jeune fille qui pourra se charger de son éducation, même jusqu'à l'université, et tout autre besoin rencontré, et même aussi envoyer des choses de temps en temps à ses parents. Et enfin, on a découvert celle-ci. N'est-elle pas belle? Une belle jeune fille. Je lui ai montré ta photo. Je lui ai montré. Elle a dit qu'elle t'aimait, hein, d'accord? Alors je l'ai amenée ici et comme ça vous pourrez, vous pourrez faire connaissance et, tu sais, et même si elle tombe enceinte avant, c'est bon, on ira payer sa dot. D'accord, hein? D'accord, ma chère. Ok, d'accord. Merci, papa. Salut, Sandra. Je m'appelle Abel et je suis sur le point de devenir ton mari. Salut. Bien, papa, ma femme Rose est là et je crois qu'on doit l'inclure dans toutes les décisions que nous allons prendre ici aujourd'hui, afin qu'on n'ait pas d'embrouille. Elle l'a fait. Elle a fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qu'elle a fait de mauvais? Est-ce qu'elle t'a donné un enfant en 8 ans de mariage? T'a-t-elle donné un enfant? Et on traverse toujours cette situation difficile. Elle a fait quelque chose de mal. En fait, où est ta femme? Où est-elle? Rose. Elle est à l'intérieur. Rose! N'est-elle pas au courant que je suis ici? Ah. Rose! Mon amour. Ah, papa. Ah! Papa, je suis désolée, je savais que tu étais là, mais j'ai cru comprendre que tu voulais parler à mon mari en privé, alors j'ai décidé de vous laisser tranquille. Ah! Oui. Est-ce que c'est vrai que tu as dit que tu allais être celle qui va amener une femme pour mon fils? Comme ça, tu vas amener une autre femme, stérile comme toi! Non, papa. Papa. Ah, arrête! J'ai enfin trouvé une femme assez succulente pour mon fils. Ok? M'as-tu entendu? Elle est là. Salut. Salut. Hey, laisse-moi ajouter. À partir de ce moment, elle a tous les droits d'aller dans sa chambre et dormir sur ce lit. Et ils pourront faire tout ce qu'ils veulent là-bas. Tu n'as rien à dire par rapport à ça. Ok? Et si elle tombe enceinte, avant qu'on ne paye la dot, c'est même mieux. Est-ce que tu m'as entendu? Oui, papa. Sandra, va embrasser ton mari pour commencer et qu'il commence à sentir ta chaleur. qu'il commence à te sentir. Même avant, hein? Comme ça, on saura là où on va, hein? Là maintenant, ici? Tout de suite! Ne me montre pas ce comportement. Je connais ton père. Il est un vigneur au village. Alors arrête de te comporter comme si tu étais la fille d'un riche. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois,
Ça, c'est mon père et ses occupations. Ne me comparez pas aux exploits de mon père, comme personne ne vous compare aux exploits de votre père. Il est qui il est, et moi, je suis qui je suis. Il est mon père, et pas moi. Je ne suis pas une extension de mon père. J'ai ma propre personnalité, ma propre classe, mes propres interactions, mon mode de vie. Après avoir dit cela, j'aimerais m'excuser et aller dans ma chambre. Mon futur mari, si tu veux m'embrasser ou me câliner, tu peux venir le chercher en privé. Pas dans un stade plein de spectateurs. Est-ce que t'as pigé? Viens, bébé. Bébé, viens pas. Bébé? Papa, je crois qu'elle a raison. Chérie, laisse-moi juste voir de quoi il s'agit, ok? Je te reviens. Rose. Oui, papa. Est-ce que tu as dit que tu allais amener une femme pour ton mari, une femme qui pourra nous donner un bébé? Oui, papa. Je vais la chercher. Ah, ok. C'est bien. Voyons le jeu que cette petite fille essaie de jouer. Papa, laisse-moi t'apporter ton repas. D'accord, très bien. N'importe qui est bien pour moi. Hein? Tant qu'elle pourra nous donner un bébé. Hein? Abel est mon fils unique. Et, à Dieu ne plaise, si quelque chose lui est arrivé, qu'est-ce que je vais dire à mes ancêtres quand je serai là-bas? Hein? Que ma lignée s'est arrêtée. S'est arrêtée chez moi. Non, que Dieu m'en préserve, qu'il m'en préserve. N'importe qui, si elle peut tomber enceinte et nous donner un bébé. Hein? Hé, hey, toi là, arrête-toi. Espèce de voleur. Moi? Oui, toi. Bonjour. Bonjour qui? Bonjour, madame. C'est mieux. Comme ça, tu es un voleur. Qu'est-ce que tu as dans les mains? Pourquoi étais-tu pressé de sortir de la cuisine dès que tu as entendu mes pas? Non, je n'étais pas pressé. Je suis juste allé à la cuisine pour chercher ma nourriture. C'est comme ça que je vais dans la cuisine chaque matin pour chercher ma nourriture après le travail. C'est comme ça que Madame Rose le sert toujours. Je n'ai pas volé la nourriture. Dont tu es entré dans cette cuisine pour porter de la nourriture. Qu'elle soit là ou pas, elle a laissé la porte de la cuisine ouverte pour toi. Parce qu'elle l'a déjà servi. Oh, je vois. C'est comme ça que sa négligence va conduire à l'empoisonnement de la nourriture de mon mari. Elle laisse sa vie, ma vie, la vie de mon mari entre tes mains. Le poison, mais non, jamais. Rapproche-toi un peu. Viens ici! Espèce d'idiot! Que se passe-t-il ici? Allô, Chios, pourquoi ta nourriture est-elle au sol? Qui a fait ça? Je l'ai fait. Est-ce qu'on ne lui paye pas son salaire? Pourquoi est-ce que tu le nourris en lui exposant la cuisine? Certaines règles et régulations dans cette maison doivent changer! Pour ma santé émotionnelle et mon bien-être physique. Elle m'a même giflé. C'est la chemise de mon mari que tu portes? Oui. Je l'ai portée la nuit dernière. Pour dormir, je parie qu'à ton époque, une meuf n'était pas permise de porter la chemise de son homme pour dormir. Oh mon Dieu!
n'y a rien qui ne sera aussi sexy que ça. La meuf à la jupe ringard. Oh. En ce qui me concerne, Abdel a dit que ça le rendait dingue. Il n'avait jamais vécu ça auparavant. J'imagine que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait. Écoute-moi, gamine. Ne cause pas des ennuis dans cette maison. Nous vivons en paix et nous aimons la paix. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi est-ce que tu l'as giflé et versé sa nourriture au sol? C'est comme ça qu'on t'est élevé? Est-ce comme ça qu'on t'est éduqué? De n'avoir aucun respect pour personne. Écoute, si tu dois vivre dans cette maison, tu dois apprendre à respecter les autres. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce que tu avertis? Papa, demande-lui ce qu'elle a fait. Moins de 24 heures qu'elle est dans cette maison et elle nous montre déjà son vrai visage. Ah, Sandra, qu'est-ce que tu as fait? Je ne suis pas ici pour me chamailler, monsieur. J'ai simplement fait ce que je trouvais bien. Qui est? Pourquoi ne pas lui demander? Comme elle a déjà commencé à me trahir chez vous. Mais je veux que tu répondes à la question. Alors, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? C'est ça que je vais subir dans cette maison? Jugement des cas, compte rendu? On me demande de donner ma version d'histoire alors qu'il n'y a aucune histoire! Je n'ai fait que corriger une situation. S'il vous plaît, je ne peux pas supporter ça. Je sais que je mérite un peu de respect dans cette maison. Et ça devrait commencer maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Sandra! Sandra, est-ce que tu me tournes le dos? Je suis un homme titré! Est-ce qu'elle vient de me tourner le dos? Sandra! Papa, je ne sais pas quel est son problème, honnêtement. Je ne sais pas. Papa, calme-toi, s'il te plaît, et assieds-toi. Nous devons trouver un moyen de ramener la paix dans cette maison. Hein? Ces deux femmes doivent trouver un moyen de vivre en paix. Je veux dire, ces deux femmes. Hein? Sandra a été amenée ici pour nous donner un bébé. Alors, on doit la traiter comme un œuf. Elle doit être chouchoutée. Ce n'est pas comme si... Je suis prête à tomber enceinte là maintenant. Comme aujourd'hui et demain. Je veux dire... D'abord, je dois convenablement épouser mon mari. Ensuite, mes études. Et ma deuxième année, peut-être quand je serai en troisième année. Ou ma dernière année à la fac. Là, je pourrai essayer de tomber enceinte. Au moins, laissez-moi m'habituer à toute cette idée d'être mariée d'abord. Je suis sincère là. Je veux dire, mon père a accepté que j'épouse Monsieur Abel et j'ai accepté également. Il est mignon. Et je commence à avoir des sentiments pour lui maintenant. Et il était tellement doux la nuit dernière. Bébé, et bien sûr que je n'aimerais pas le partager avec une autre femme. Mais il m'a fait comprendre que Madame Rose et lui ont une longue histoire ensemble. Et qu'il n'est pas prêt à lui demander le divorce. Et vice-versa. Mais c'est bon. Tant que Madame Rose me donne mon espace, nous irons bien. Capiche? Excuse-moi, Sandra. Il y a quelque chose que je ne comprends pas de tout ce que tu as dit. J'ai dit tellement de choses, papa. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris au juste? Ce qui concerne le fait que tu tombes enceinte après 2 ans. Regarde, Sandra. Ce que mon père essaye de dire, c'est que
Supposons que... qu'on ait fait quelque chose ensemble. On a couché ensemble. Exactement. Et c'était bien. Tout à fait. De là, si tu venais t'apercevoir de ce qu'on a fait la nuit dernière. Non. Non, 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 non. Ça n'arrivera pas. Je suis une adulte. Pardon? Veuillez m'excuser. Continuez votre discussion, je reviens. Ok. Ah. Pourquoi est-ce que Rose s'en va? Pendant une réunion aussi importante, est-ce qu'elle est folle? Papa, il a dit qu'elle revenait. Ok, et si elle était allée aux toilettes? Ok, ok. Comme je le disais, vous devez me donner du temps pour m'habituer à toute cette idée de tomber enceinte. Je ne veux pas que vous me fassiez me sentir comme si je suis une usine à bébés. Ou alors que je ne suis bonne qu'à faire des bébés. Non, non. En fait, on ne dit pas ça. Le truc, c'est que tu es venue en fait comme un cadeau. Comme une bonne femme, une mère, une amoureuse. Et c'est parfait. Mais en fait, ce que tu devrais comprendre, l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est comme un packaging. Est-ce que tu me comprends? Ok. Sandra, je t'ai laissé avoir mon mari. Je t'ai laissé entrer dans mon lit conjugal. Je t'ai laissé t'immiscer entre l'amour, l'affection et le foyer qu'on a bâti pendant des années. Pour une raison, que mon mari et moi désirons avoir un enfant. Et qu'est-ce que tu y as fait? C'est quoi ça? Sandra, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pilules contraceptives. Quoi? Donc tu as mené mon mari dans la chambre pour passer du bon temps? Comme ça, tu pourras nous soutirer de l'argent et nous tromper. Quoi? Vous trompez? Non, 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 jamais. Je viens tout juste de le dire. Je ne suis pas prête à tomber enceinte. J'ai également dit que je suis une adulte. Et je sais comment prévenir une grossesse. Alors qu'est-ce que tu racontes sur la tromperie? Je ne l'ai pas caché. Hé hé hé, Sandra. Avant qu'on ait fait quelque chose la nuit dernière, est-ce que tu m'as dit que tu prenais des contraceptions? Jésus! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dira à son petit ami qu'elle a eu à prendre de la pilule avant qu'ils ne couchent ensemble? Mais de quelle époque venez-vous en fait? Ce sont des choses normales que les meufs font! Des choses normales que des meufs sont censées faire. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Putain, je ne peux plus supporter ça. Je dégage ici. Oh. Sandra! Sandra! Ça, c'est la deuxième fois que cette fille me tourne le dos. Aujourd'hui! Papa, est-ce que tu t'es dérangé à faire des enquêtes sur elle avant de me l'amener? Toi qui as couché avec elle! N'as-tu pas pu faire des enquêtes sur le genre de fille qu'elle était? Je ne faisais que mes obligations. On m'a demandé de déposer, et c'est ce que j'ai fait. Papa, c'est de ta faute.
Comment tu peux dire que c'est de ma faute? C'est de ta faute. Est-ce que tu as donné un bébé 8 ans? Hein? Et mon fils ne fait que perdre cette déposition à toi, hein? Tu dis que c'est de ma faute. Oh. Donc c'est de cette façon que tu exhibes ton talent. Tu as bu tout ça. Je suis fatiguée, je suis énervée. C'est de cette façon que je calme mes nerfs. Oh. Ok. Donc, tu es une folle. Non. Non, jamais. Nous n'allons pas accepter ceci. Nous n'allons pas t'épouser. Quoi? Regarde. Que les dieux empêchent que notre recherche pour un fils nous conduise à notre mort. Non, nous n'accepterons pas ça. Nous n'allons pas continuer avec ça. Que voulez dire par « nous ne pouvons pas » Qui êtes-nous? Je ne suis qu'ici pour Abel. Oh, tu me mets au défi. Regarde, je t'ai amené ici. Et je peux facilement te retourner de là où je t'ai prise. J'ai commis une erreur, mais je ne peux pas continuer. Hey! Je suis désolée, monsieur. Hey, je suis vraiment désolée. J'ai un peu beaucoup. Hey, mais comment pouvez-vous déranger quelqu'un? Hey, oh. C'est pas comme vrai. Comme ça. Hey, oh. Oh. Tu as bu toute la bière qui était prévue pour les invités dans le frigo. Hey, tu as vomi tout ça sur moi. Maintenant, vous me demandez de partir. Partir où? Ok. Est-ce que vous savez ce que ça coûte à une femme de passer... Hey, de passer la nuit dans la chambre d'un homme comme ça? Juste parce que vous avez promis qu'il allait devenir mon mari. Mon Dieu. C'est incroyable. Rose, c'est à cause de ta stérilité que je subis tout ça. Si tu nous avais donné l'enfant, on ne serait pas désespéré à chercher une imbécile, une idiote, pour nous donner un enfant. Oh mon Dieu. Rose, Abel, où es-tu? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais prendre mon bain? Et où? 200 minéra et rien de plus. Voilà ce que tu vas me payer pour la nuit derrière et tout le reste. Sandra, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je croyais que tu m'avais dit que tu m'aimais. Quel genre d'amour se passe en une nuit? J'ai dit ce que j'ai dit sous l'influence de ce que tu connais. Et même toi également, tu m'as dit que tu m'aimais aussi. Est-ce que j'ai dit le contraire? Ai-je changé ma parole? Hein? Pourquoi maintenant tu me demandes 200 000 naira? Ton père a dit que je dois partir. Juste parce que j'étais en colère et j'ai bu de la bière. Et j'ai vomi sur lui. Juste ça, oh. Petit vomi que j'ai fait. Il m'a demandé de porter mon sac et partir. Attends, laisse-moi comprendre ça. Tu as vomi sur mon père? Un homme titré! Tu sais quoi? Sors de cette maison. Okay. Prends tes choses et dégage d'ici. Paye-moi pour ce qu'on a fait et la meilleure nuit que je t'ai fait passer. La meilleure nuit que tu as passée? Voici 100 000 naira. 200 000 naira. Prends 150 000 naira. Tu vois à quel point tu es minable. Dieu merci que je ne t'ai pas épousée. Regarde comment tu transfies en négociant juste à cause d'une différence de 50 000 naira. Ouais. Donne-moi mon argent ou je vais rester ici. Dieu merci, tu me montres ton vrai visage. Sinon, tu allais me tuer dans cette maison. Dieu merci que tout ceci arrive maintenant. C'est comme ça que ton père disait non, nous allons t'épouser. Nous n'allons pas t'épouser. Peut-être que c'est même lui et toi que j'allais épouser au même moment. Vous êtes bizarre! Regarde-toi! Écoute comme tu chiales des bêtises! Regarde comme tu racontes des énormités concernant mon père! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Paye-moi mon argent avant que tu ne commences à pleurer à cause de 200 000 naira! Donne-moi ton stupide numéro de compte! Donne-moi ton stupide téléphone pour que je le mette moi-même! Donne-moi mon téléphone! Regarde comment tu trembles! Tu vas appeler ton père? Je l'ai envoyé, sors de ma maison, sors! Foutaise. Toi aussi, n'importe quoi, regarde-moi son petit cul.
Sans fesses, espèce de maigrichonne. S'il te plaît, laisse-moi chercher la prochaine personne qui viendra dans cette maison. Je t'en prie. Je ne veux plus que ton père s'occupe de cette histoire. Je t'en prie. Est-ce que c'est trop te demander? Rose, ma chérie. Regarde. Je ne suis pas un garçon à papa. J'essaye d'obéir à mon père en toutes choses parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé. De respecter mon père. Tu connais la compagnie que je dirige a été construite par mon père. Alors techniquement, c'est lui mon patron. Alors nous n'avons qu'à créer notre propre affaire et nous éloigner de lui. Ouais, c'est possible. Mais je ne pense pas que c'est nécessaire maintenant. Cette entreprise dépend de moi. Mon père est retraité. Et tout ce qu'il fait, c'est pour moi qu'il le fait. Je dois hériter de cette entreprise, alors je ne peux pas la laisser s'écrouler. Rose, comprends que tout ce que mon père essaye de faire, c'est pour notre propre bien. C'est important. Tu le sais. Mon père est fils unique. Et je suis aussi son fils unique. Dans la famille. Et si quelque chose arrivait, que Dieu nous préserve. Que Dieu nous en préserve. Je ne peux pas imaginer que quelque chose m'arrive et que le nom de ma famille meure avec moi. Que Dieu nous en préserve, rien ne va t'arriver. Alors je ne veux pas que tu te déranges et que tu sois triste. Ok? Je suis tellement désolée, c'est de ma faute. Non, voyons, c'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est comme ça que Dieu t'a créé. Moi, je t'aime. C'est pas de ta faute. Ne t'inquiète pas. Nous allons trouver une solution à cela. Nous trouverons une solution, ok? Je suis juste content que Sandra ne soit plus là dans cette maison. Qu'elle soit partie avec tous ses problèmes. Trop de problèmes. Je suis aussi contente. Vois-tu? C'est exactement la raison pour laquelle je veux m'en occuper cette fois-ci. Je vais être celle qui va chercher la femme qui viendra nous faire des enfants. Et tu sais, je vais trouver une personne humble, une personne qui va me respecter, une personne docile qui connaîtra sa place dans cette maison, une personne qui sera là juste dans le but d'avoir des enfants et pas se battre pour ton attention ou compétir avec moi pour une place dans ta vie. Bébé, allez. Je suis sérieuse. Ce n'est pas possible. Personne ne pourra m'arracher de toi. Personne ne pourra voler mon cœur de toi. As-tu oublié ce qu'on a traversé? As-tu oublié où nous venons? Ça a été un long parcours. Et tu as toujours été dans mon cœur. Ok? C'est pour ça que quiconque viendra dans cette maison, quiconque je vais épouser en tant que deuxième femme, sera juste là pour nous faire des enfants. Il ne s'agira pas de mon cœur. Tu auras toujours mon cœur. D'accord? Ok. Allez, souris. Arrête de te soucier, dors maintenant, viens là. Je t'aime, mon amour. Salut, Rose. Je m'en vais. Tata Rose. C'est Tata Rose pour toi. Salut, Tata Rose. Je m'en vais. Tu n'as pas de respect? De toutes les façons, dis-leur
que la seule façon que je puisse continuer à rester dans cette maison, c'est si on me donne une chambre séparée et aussi l'argent pour ma fac. Assez pour mon entretien à l'école pendant un an, donné en espèces. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je vais la ramener chez son père. Ramener qui? Toi! Aujourd'hui, à l'instant! Aussitôt qu'on arrivera à l'agence, prenez votre chemin. Séparez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. D'ailleurs, je repars à l'école d'ici. Je ne retournerai pas chez mon père. Y aurait-il des enseignants qui vivent dans la maison de mon père? Bye, Rose. Tu me fais vraiment pitié. Dans cette maison, tu es mariée au père et au fils. Deux personnes qui font la loi dans la même maison. Hé, va-t'en! Je m'en vais. Va-t'en! Et ne reviens plus jamais, jamais dans cette maison. Va-t'en, vilaine fille. Peux-tu t'imaginer? Papa, s'il te plaît, laisse-moi aller là d'ailleurs chercher une femme qui viendra ici nous faire des enfants. Je t'en prie. Je veux dire, quelle femme serait heureuse de partager son mari avec d'autres? Et quelle femme serait heureuse dans ma situation? Et quelle femme sera confortable à l'idée de faire ce que je m'apprête à faire? Mais c'est ce que la nature m'a réservé et je dois porter cette croix. Pardon, papa. Rends cette croix légère pour moi, s'il te plaît. Laisse-moi chercher la femme qui viendra ici nous faire des enfants. Je t'en prie. Regarde, tout ce que je veux, c'est un bébé. Hein? Et si tu es sûr que tu vas trouver une femme qui pourra nous donner un bébé? Ça me va. Hein? Merci, papa. Merci, papa. Merci beaucoup. Merci, je te suis reconnaissante. Merci. Je te promets qu'elle va te faire plein de petits-enfants. Papa, merci. Merci beaucoup. Pas de quoi. Grand merci. Que Dieu te bénisse. Pas de quoi. Ok. Je vais suivre cette vilaine fille. Je vais la ramener chez son père. D'accord? Comme ça, ils sauront qu'elle n'est plus sous notre protection. Hein? Oui, papa. Elle ne reviendra plus dans cette maison. Désolé, ok? Tu sais, je n'aime pas tout ça. Je veux dire, cette affaire m'a été littéralement forcée. Ça ne semble pas être le cas, tu as l'air de t'amuser. Pas du tout. Comment? Pas du tout. Je me bats juste pour qu'on ait un enfant. C'est tout. Tu sais, tu sais, bien que je veuille un enfant désespérément, je veux que ce soit naturel. Je ne crois pas en ces choses de fertilisation. Un employé virtuel. Je veux juste qu'on ait un enfant, naturellement, comme Dieu a prévu que ça arrive. Regarde. Hey. C'est bon. Tout se passera bien, ok? Hein? Viens là. Viens là. Ça ira, ok? Tu sais que tu es la seule qui compte dans mon cœur. Aloy? Madame? Viens, s'il te plaît. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien, madame. Je suis tellement content, madame. J'ai été tellement content quand j'ai vu cette méchante femme. C'est quoi son nom? Sandra. Prendre ses affaires et partir. Ah, madame. Mais où est-ce que vous avez trouvé une telle personne? Tu sais, parfois les choses arrivent comme ça pour que nous tirons des leçons. C'est vrai, madame. Mais en toute chose, Dieu contrôle. C'est vrai. Ceci est pour toi, tout ça. Merci, madame. Ce sont mes préférés. Tu aimes? Oui, j'aime. Merci beaucoup, madame. Je savais que c'était tes préférés. Merci beaucoup. Je sais. Merci, madame. Je sais. Merci beaucoup, madame. Je me suis dit, Rose, pourquoi ne sors-tu pas aller chercher des cupcakes pour Aloy? Alors, je suis sortie, je t'ai acheté ceci. Et comme ça, tu pourrais épicer ton petit déjeuner. Merci beaucoup, madame. Il n'y a pas de quoi. Écoutez, cet esprit qui vous a poussé à aller m'acheter des cupcakes vous poussera à porter plus de cupcakes. Et laissez-moi vous dire, peu importe ce que votre cœur désire, peu importe vos rêves, peu importe ce pourquoi vous priez, hein, le Dieu Tout-Puissant vous le donnera.
Amen. Ah, merci Amen. Beaucoup. Au fait, Aloy, c'est pourquoi je voulais parler avec toi aujourd'hui. Je vous écoute. Je cherche une illettrée, une paysanne. Oui, qui peut venir vivre avec nous. Et je vais m'occuper d'elle, la rendre présentable. Comme ça, elle pourra m'aider avec mon problème de bébé. Oui. Alors, est-ce que tu connais quelqu'un qui correspond à ça? Je veux une fille qui va m'obéir, qui va faire ce que je veux. Une fille humble et qui saura me respecter. Regarde cette fille qui vient de partir. Je comprends. Et sachant d'où tu venais avant que tu ne commences à travailler pour nous, je sens que tu as une meilleure position pour connaître une personne comme ça. Alors, est-ce que tu en connais? Alors, est-ce que tu m'entends? Oui, madame, je suis juste en train de réfléchir. Hein. J'essaye de réfléchir à tous les cas. Je crois que je peux vous aider. Je crois que j'ai quelqu'un pour vous, madame. Vraiment? Oui, je peux. Mais vous allez devoir me donner un ou deux jours. Comme ça, je pourrai lui parler. Pas de pour problème. Connaître sa décision, si elle accepte. Je vais vous emmener chez elle, comme ça vous pourrez lui parler en personne. Pas de soucis, pas de soucis, madame. Aloy, c'est parfait. Parfait. Oui, madame. Aloy, j'attends une réponse positive venant de toi. Oui, ne vous en faites pas, vous l'aurez. Et tu me connais. Merci beaucoup. Et je vais te récompenser si tu fais ça pour moi, Aloy. Mm-hmm. Je vais te récompenser lourdement, en espèces. J'aime l'argent, merci beaucoup, madame. Fais-moi confiance, Aloy. Merci beaucoup. Régale-toi avec tes cupcakes. Pas de soucis. Que ça ne m'apporte pas les ennuis. Combien? Je veux retirer juste 100 000. Mets ton code. Retirer 5 000 coûte 5 200. Pas de soucis. Oh. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tenez. Je crois que c'est bon. Moi, je n'ai pas la petite monnaie dans mon appareil. Transfert plutôt, d'accord? Ok, je fais le transfert. Le transfert. Ok. C'est parti. Je veux voir si c'est parti. C'est parti. Ok, c'est bon. Ok. Il faut me faire beaucoup de publicité. Ok, pas de soucis. Je vais apporter un autre client. Ok. Ce soleil est ardent. Aloy! Ma petite folle. Ah, ne m'embrasse Comment pas. Tu vas? Ah. Bienvenue, madame. Salut, Marie. Comment tu vas? Allez. Je vais bien. Asseyez-vous. Merci. Aloy, assieds-toi. Je vais m'asseoir. Assieds-toi. Assieds-toi. Mais assieds-toi. Assieds-toi. Asseyez-vous bien. Lève-toi. Assieds-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Oui, madame. Waouh. Comment vont les affaires? Ça se passe bien, madame. Mary. Je t'ai appelé par téléphone et je t'ai dit que moi et ma patronne ici allons venir aujourd'hui. Oh. Et je t'ai aussi dit pourquoi on venait. Et tu m'as dit que quand nous allons arriver ici, tu vas nous donner une réponse. C'est pour ça que nous sommes ici. Voici ma très bonne patronne, Madame Rose. Madame Rose, voici Mary, la fille dont je vous parlais. Ravie de faire ta connaissance, Mary. Je suis contente de vous voir aussi. Alors, Marie, est-ce que tu peux faire ça pour nous? Est-ce que tu peux nous aider? Madame, laissez-moi vous dire qui je suis. Je suis une battante de femme. Je ne suis pas allée à l'école. Et toutes les choses que je vends, l'argent n'est pas beaucoup. Mais ce que vous avez dit, je vais le faire. Ah, merci. Merci beaucoup, Marie. Merci. Alors, Marie, avant qu'on ne paye ta dot, je vais devoir t'amener faire un bilan de santé, juste pour nous assurer que tout va bien. Ah. Avec toi.
C'est vrai. Et mon mari, Abel. Et mon mari, Abel, va devoir te voir face à face et nous dire s'il aime ce qu'il voit. Hmm? Vous avez parlé de bilan. Oui. Il n'y a pas de problème. Je n'ai aucune maladie dans mon corps. Je vais le faire. D'accord. Mais la personne dont vous parlez, c'est votre ami ou alors c'est votre petit ami? Non, c'est mon mari. Mon mari. Ok, il n'y a pas de problème. Mais avant que je ne dise encore oui, laissez-moi voir sa photo. Quand je vais voir sa photo, je vais savoir si nos esprits peuvent se mélanger. Ah, ok, laisse-moi te... Tu vas connaître le caractère d'une personne grâce à une photo. À l'œil? Hey, quand tu vois un homme bien, ça va apparaître sur sa photo. Quand tu vois un homme mauvais, ça va apparaître sur sa photo. Alors, je vais savoir. C'est bon, Marie, ta question est très valide. Alors, voici mon mari. Laisse-moi te le montrer. Voici Abel. Tu vois? Ah! C'est un homme beau! Oh oui, c'est un homme très beau. Tu t'amuses. La photo est très jolie. Oui. Il est très beau. C'est Abel, mon mari. Oui, madame. Ok. Je l'aime bien. Très bien. Il me plaît beaucoup. Alors, est-ce que Il ça est va? Bien. Tout va bien? Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Merveilleux. Alors, merci beaucoup, Marie. Oui, madame. Et très bien. Je suis très heureuse qu'on ait pu se voir. Et tout se déroule très bien. Et... Alors, je vais te revenir concernant le jour où on ira faire le bilan de santé. Ah, sans souci, madame. Ok. Et je promets que je ne vais causer aucun problème. Oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus. Voilà pourquoi j'ai demandé à Lloyd de me trouver une personne de confiance. C'est parce une bonne que je personne. Ne veux pas une personne qui va me créer des problèmes. Je ne Elle veux gentille. Pas d'ennui. Elle est gentille, madame. Absolument pas, s'il te plaît. Hmm? Et sans souci. Ok. Parce que dans cette vie, les enfants sont importants. Très importants. Alors, je vais vous aider. Merci. Oui, madame. Que Dieu te bénisse. Ah, amen. Amen. Oui, madame. Je vous donne un coca. D'accord. Bien frais. Allez, donne-moi à boire. Ah, je sais que tu aimes ça. Je sais ce que tu veux. Tiens. Tu sais ce que je fais pour survivre. Ah, tiens. Mets l'autre dans ta poche. Ne t'en fais pas. Mets l'autre dans ta poche. Merci. Ah, madame, je vous donne aussi un petit jus. D'accord, je vais prendre. Merci, oui, Marie. Madame. Ne viens surtout pas réclamer l'argent après. Aloy! Ah! Mais je t'ai vu hier. Qu'est-ce que tu es encore venu chercher ici aujourd'hui? Alors, Mary. Tu veux te marier? Hey! Tu me poses une question? Hey! Que je veux me marier? Ce n'est pas toi qui m'as demandé d'aller me marier avec ton patron? Est-ce que je connaissais ton patron avant tout ça? Hein? Je voulais qu'on se marie et tu as dit que tu n'avais pas d'argent. Ah! Ne me demande rien. De toute façon, la raison pour laquelle je suis ici, hein? Comme tu vas maintenant épouser mon patron, regarde-moi. Regarde mon oreille que je tiens, est-ce que tu me regardes? Mary, est-ce que tu me regardes? Je te regarde. Tout ce qui concerne une relation entre moi et toi, c'est fini. Est-ce que tu m'écoutes? Je ne veux pas les ennuis. Est-ce que tu m'entends? Pas de problème. Eh. Mais, Aloy? Aloy, dis-moi. Dis-moi et jure-le-moi que c'est la raison pour laquelle tu es venu ici aujourd'hui. C'est pour ça. Hey! Tu es un menteur. Tu es un menteur. Si c'était pour ça, c'est que tu allais me le dire au téléphone. Pourquoi tu es venu ici? Pour me dire ça. Hmm? Je sais que c'est pour autre chose que tu es venu. C'est pour autre chose. Parle! Ce n'est pas ça. Ah! Aloy, tu viens ici une fois par mois. Aloy, tu viens ici dans un mois, une seule fois. Mais ça fait déjà deux fois que tu es venu. Et c'est pour faire cette chose. Hein? Dis-moi, parle. Oh. Oui. Mais tu viens de dire qu'on n'était plus ensemble. Ah, oui et non. Tu comprends, mais tu sais qu'à chaque fois que je te vois,
Ce feu me brûle toujours, tu me brûles. Tu me brûles. Laisse-moi. Tu me brûles. Je vais prendre feu. Sous ce soleil, tu veux prendre feu? Je veux prendre feu. Brûle-moi, s'il te plaît. Allez, viens, on va piler mon igname. Allons-y. J'adore piler. Je sais. C'est tout ce que tu aimes. Allons piler. Allez, viens. Oh. Alors, Marie? Oui, madame. Voici ta chambre. Oui, madame. Mon mari n'est pas là, mais une fois qu'il va rentrer du travail, il viendra te dire bonjour, comme ça vous pourrez faire connaissance. Oui, madame. D'accord? Merci, madame. Très bien. Cette chambre est confortable. Ne considère pas le fait qu'elle soit dans une garçonnière. Elle est très confortable. Merci, madame. Et alors, Chios, assure-toi de lui donner tout ce dont elle a besoin, s'il te plaît. D'accord? Je le ferai. Oui, madame. Ok. Oui, madame. Est-ce que tu as déjeuné? Ah, oui, madame. Vraiment? Oui, madame. Quand tu auras faim, appelle-moi. Oui, madame. Parlant de ça, je dois te donner mon numéro ou alors... Alors, Chios, tu peux le faire? Je lui donnerai. Oui, madame. Oui, madame. C'est bon? Oui. Alors, il va aller. Alors, c'est parfait. Je vais retourner dans ma chambre, d'accord? Oui, madame. Prends soin de toi. Sens-toi libre, détends-toi, prends une douche. C'est ta chambre, c'est ta maison maintenant. D'accord, madame. Très bien, bienvenue, Marie. Ok, merci, bye madame. Bye. Alors, Chios, assure-toi de prendre soin d'elle, d'accord? Madame. Oui, madame. Merci. Merci, madame. Merci. Ah. Aloy. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Donc, c'est dans la garçonnière que je vais rester? Pourquoi? C'est dans la garçonnière que je vais rester. Tu veux retourner dans ton taudis? Hein? Entre les taudis d'où tu viens et cette garçonnière, dis-moi qu'est-ce qui est mieux. Sois humble, s'il te plaît, je t'en supplie. Alors, je suis maîtresse de maison, femme de ménage. Tu peux faire les deux. Tu peux faire les deux. Et moi, je suis allée au marché. Je suis allée acheter toute cette valise. J'ai acheté les babouches, j'ai tout acheté pour mettre dans la garçonnière. Hein? Écoute, s'il te plaît, reste humble. Je n'ai pas la force pour ce que tu veux causer. Oh. S'il te plaît, je t'en supplie, ne me mets pas dans les problèmes. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ce n'est même pas beau. Regardez, c'est quoi ça? Il n'y a même pas... Le lit n'a même pas de... Il n'y a même pas de planche. Il n'y a même pas de placard. Hein? Tout est juste... Ah! Regardez le lit. Regardez le lit. Ça n'a même pas de support. Ça n'a même pas de planche. Ah! Aloy, pourquoi tu entres dans ma chambre sans frapper? Je suis venu t'embrasser et te souhaiter bonne nuit. Hé! Hey, ne me touche pas! Embrasse-moi! T'embrasser comment? Je veux juste que tu m'embrasses. Ah! Tu m'as épousé pour toi-même ou bien tu m'as épousé pour ton patron? Mais juste un baiser, hein? Écoute. Allez. Donc, tu m'aimes comme ça? Juste un baiser. Et tu ne m'envoies pas l'argent? Tu ne m'achètes pas de bons chocolats? Tu ne fais rien du tout? Ça fait déjà 7 ans que nous sommes ensemble. Et tu n'as jamais rien fait pour moi. Ok, désolé, désolé. Juste un baiser. Juste un baiser. Juste un baiser. Juste un seul, s'il te plaît. Qui frappe à la porte? Abel. Oui? Qui est là? Abel. Ah, monsieur. Entrez, monsieur. Bienvenue, monsieur. Hé. Hey. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Oui, monsieur. Lève-toi. Alors, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Peux-tu arrêter avec ces affaires de... Monsieur, tu peux juste m'appeler Abel ou Abbé. Et mon cœur, Abbé. Bébé, Abbé. Ou alors appelle-moi juste Abel. Oui, monsieur. Abbé. Et... Non, non, Abbé. Ep. Abbé, Abbé. Eb. Abbé, 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 Abbé. Eb, okay, Eb. Okay. Eb. Alors, dis-moi, tu vas bien? Ah. Tu aimes cet endroit? Tu aimes ta chambre? J'aime bien, monsieur. Ah, d'accord. C'est bien, c'est bien.
Alors, on m'a dit que ton bilan de santé est sorti et c'est très propre. Hey! Ouais, c'est bien. Tu es propre partout. Ça, c'est bien. Oui, c'est monsieur. Bien. Génial. J'ai aussi appris que tu n'es pas parti à l'école, c'est ça? D'accord, c'est bon. Dans la mesure où tu peux comprendre ce que je dis, n'est-ce pas? Quand je parle, tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Oui. Et moi aussi, je te comprends. Ça veut dire que ça va. D'accord. Oui, monsieur. La vie est drôle, n'est-ce pas? Je veux dire, très étrange. On se connaît à peine. Et bientôt, nous serons mari et femme. C'est fou. La vie. Tu sais, ma femme a ce problème médical. En fait, une condition que même la science ne peut pas résoudre. Et les cliniques de fertilité le trouvent encore difficile à résoudre. Alors, nous voilà. Mais je vais bien. Et je tais-toi. Nous allons apprendre à mieux nous connaître. Oui. Et nous allons être ensemble. Nous allons... tu comprends? Oui, et nous allons avoir un enfant ou alors des enfants. Ah, amen. Ah, je suis vraiment impatiente. Ouais, nous allons être très heureux. Ah, oui, oui. D'accord. Bien. Lève-toi afin que je te regarde encore. Ah. Lève-toi. Je suis debout. Ouais, tourne-toi. Ah. Stop. Ok, c'est bon. Vas-y, assieds-toi. Oui, monsieur. Tu es bien. Merci, monsieur. Tu m'as l'air d'être une fille vraiment cool, n'est-ce pas? Oui. Et... Oui, Abbé. Oui, et... Voilà. Dis-moi, est-ce que je te plais? Ah. Je vous aime. Vraiment? Je vous aime beaucoup, beaucoup. Et quand vous êtes entrée, votre parfum a titillé mes narines. Ah, mon parfum? C'est bon. Ravie que je te plaise. Mm-hmm. Je respire très, très rapidement. Tu respires rapidement? Pourquoi? Parce que je vous aime. Oh. Parce que tu m'aimes? Oui. Je crois bien que je t'aime aussi, tu vois. Je t'aime aussi, tu es cool. Oh. Je t'aime aussi. Merci. Et je t'ai apporté quelque chose. Oh. Prends ça, tu vas l'utiliser pour t'acheter des crèmes, des déodorants et des petites choses dont tu auras besoin, ok? Tout ça pour moi? Oui, bien sûr, c'est pour toi. Ah, hey, Dieu va vous bénir. Vous allez prospérer. Ah. Tout va aller très, très, très bien. Ah, vous êtes bénis de partout. Au Amen. Nom de Jésus. Amen. Merci. Allez, viens t'asseoir. J'aime bien, tu l'apprécies. Je vais te gâter et te chuchoter. Ah. Je vais me rassurer que tu sois heureuse, ok? Merci. Continue. Merci. D'accord, je suis juste venue te voir. Sens-toi libre à ma compagnie, ok? Ne sois pas nerveuse. Okay. Sois libre de me parler de n'importe quoi, ok? J'ai aimé ce que j'ai vu lorsque tu t'es levée. Tu peux te lever à nouveau? Lève-toi. Ouais, vas-y, tourne-toi. Ouais. C'est bon. Ok, attends, reviens. Ok, c'est bien. Viens là. Allez, donne-moi ta main. Allez, on fait comme ça. Ah. Tu manges du chocolat? Oui. Ok, d'accord. D'accord, je te verrai. Oui, monsieur. Alors, passe une bonne nuit, ok? Oui, monsieur. Bouge-toi, je te verrai demain. Oui, et... Abbé. Ah, Seigneur. Dieu merci. Ah, je suis un enfant béni. Ah, merci. Ah.
Ah, j'ai failli mourir de chaleur. Il fait très chaud dans ces toilettes. Et wow! 50 000 pour une seule nuit? Mais ça, c'est mon salaire du mois. Et cette fille, tu es tellement chanceuse. Viens, viens m'embrasser. Hé! Hey! Ah! Tu es malade? Ah! Non, mais tu n'as plus de respect pour moi. Hé? Hey? Tu m'embrasses? Tu m'embrasses pourquoi? Tu me prends pour qui? Ah! Ah! Laisse-moi te dire. Je suis une madame dans cette maison dorénavant. Ne me touche plus n'importe comment. Ne me touche plus n'importe comment. Ok, dégage. Dieu ait pitié. Aloy! C'est pas vrai. C'est incroyable. Stupide garçon. Oh. Argent, argent, argent. Hi. Cet argent est beaucoup haut. Ah. Je vais acheter des biscuits. Je vais acheter des chocolats. Je vais acheter... Bonjour, madame. Bonjour, Marie. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous avez bien dormi? Vous êtes bien réveillée? J'espère que vous êtes en santé. Je ne comprends absolument rien de ce que tu dis. S'il te plaît, lève-toi. Oui, madame. Je voulais que tu te joignes à moi pour le petit déjeuner. Oh. Oui, oui, oui. Eh, merci. Comment était votre nuit? Ok, ma nuit était bien. Mais je pense que la question devrait être, est-ce que tu as bien dormi? Ah, oui, d'accord. La personne qui peut me demander comment était ma nuit est la personne avec qui j'ai passé la nuit. Et tu comprends? J'apprends cela. Ok. Comment était... Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien dormi? C'est cela. J'ai bien dormi. Merci. Et toi? Ah, très bien. Ok, oui. Ok. Alors, mange. Oh. Fais-toi plaisir. Okay. Nous avons du pain et du café aujourd'hui. Oh. Ok. Alors, ouais, vas-y, mange. Wow. Tu y avais vraiment faim. Alors, tu sais, en tant que co-épouse, nous devons manger ensemble. Comme ça, on pourra s'unir. Ah, on va vraiment s'unir. Tu accouches un, j'accouche un. Tu accouches deux, j'accouche deux. Je voulais en fait dire s'unir. Genre, tisser des liens. Tu comprends? Oh. En tant qu'ami. Oh. Oui. Oui, oui, nous pouvons être amis. Oui, madame. Oui, parce que... Marie. Oui, madame. Écoute, nous allons très bien prendre soin de toi. Fais-moi confiance. Juste, sois mon amie. Et n'essaye pas de faire des problèmes avec moi. N'essaye pas de me voler mon mari. Ah, jamais. Si je fais cela, je serai une honte pour la vie. Le respect est réciproque. Tu me respectes, je vais en retour te respecter. Et quand tu auras ton bébé, notre bénédiction, nous allons prendre soin de ce bébé tous ensemble, comme une famille. Oui, madame. D'accord. Alors ne me méprise jamais, même quand tu vas commencer à partager la couche de mon mari. Je ne le ferai pas. Et n'essaie jamais de le faire te préférer à moi. Ah, pourquoi? Non, je ne peux pas faire ça. Très bien, si tu le dis. Oui, madame. Tu es une très bonne personne. Je voulais te demander. Oui, madame. Est-ce que tu sais bien cuisiner? Tu sais cuisiner? Ah, c'est quelle question ça? Je cuisine très, très bien. Vraiment? Et quel genre de repas sais-tu cuisiner? Je cuisine le Scrabble, les œufs. Le Scrabble, les œufs et l'igname. Je prépare la nourriture intercontinentale et Koussi. Nourriture intercontinentale et cousine. Oui, madame. D'accord, d'accord. Mais peu importe le cas, je suis une très bonne cuisinière moi-même. Je m'en sors très bien en cuisine.
Alors, je suis prête à t'aider dans n'importe quel domaine dont tu auras besoin de mon aide. Je vais tout te montrer dans la cuisine, d'accord? Merci, madame. Je vais te montrer tous les petits secrets de la cuisine. Oh, okay? Merci. Dieu te bénisse, madame. Il n'y a pas de quoi, Marie, il n'y a pas de quoi. Merci. Alors, maman. D'accord. Belle maman. Coucou, épouse. Ah, laisse-moi t'embrasser. Allez, vas-y, viens. Co-épouse, Marie. Mon Dieu va te bénir. Amen. Amen. Alors, vas-y, mange. Vas-y, mange. Désolée, madame. As-tu... Je t'apporte de l'eau. Non, plus de pain. Plus de pain. Ok, d'accord. Prends le mien. Ah, merci, allez, madame. Vas-y, prends le mien. Moi, je ne mange plus. Prends le mien. Vas-y. Aloy? 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 Pourquoi est-ce que je t'appelle et tu ne me réponds pas? Tu es sourd? Je suis là maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Aloy? Moi, je t'appelle? Tu me demandes qu'est-ce qu'il y a? Écoute, tout d'abord, tu me réponds. Aloy, yo! Oui. Tu me réponds oui. Hey, hey. Aloy, regarde-moi bien. Quand je t'appelle, tu réponds Madame. Aloy, yo! Madame. C'est mieux. Aloy, je veux t'envoyer quelque part. Tu vas m'acheter le chocolat. Un chocolat très bien sucré. Pas le genre qui va me démanger dans la bouche. Le chocolat et l'indomie. Achète l'indomie et le chocolat. J'ai envie de manger l'indomie et le chocolat. Allez, vas-y. C'est à moi que tu es en train de parler. Tu es en train de m'envoyer. Moi, Aloy. C'est moi, Aloy, pour faire une course. C'est pour ça qu'on n'aide plus les gens de nos jours. C'est pour ça qu'on n'aide plus les gens de nos jours. Donc tu veux me transformer en ton garçon de course? Qu'est-ce que tu étais avant? Qu'est-ce que tu étais avant? Ah, mon Dieu. Aloy, dans cette maison, je suis la patronne. Et toi, tu es mon servant. Mon garçon de course. Oui. J'aurais vraiment tout vu. Donc, Aloy... Tu vois ça? Si ça sèche avant que tu ne reviennes, mon Ebeli va te renvoyer. Tu vas retourner dans ton village. Allez. Je savais que j'allais regretter ça, je le savais. Je le savais, mais je n'écoutais pas. Je savais que j'allais regretter ça. Donc, c'est sur moi maintenant que tu veux exercer ton rôle de patronne. Pas de souci. Donne-moi l'argent. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je cherche l'argent. Prends cet argent. Avertissement. Aloy, ne reviens plus jamais dans ma chambre. Si tu reviens encore, tu es mort. Allez. Tu vois ça? Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Allez, 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 allez. Allez. C'est en train de sécher. Oh, Cisco. Ala salala wa watassa. Hey, hey. Kege. Kege, kege. Madame, des madames. C'est super. Hi. Je pense qu'il est temps que tu y ailles. Comme ça, tu pourras revenir. Je ne veux pas que tu dormes dans sa chambre. Ouais, tu as raison.
Ok. S'il te plaît, attends. Alors, c'est vraiment en train d'arriver. Tu vas à elle, à une autre femme. Rose, s'il te plaît, ne rends pas cela difficile, plus que ça ne l'est déjà. S'il te plaît, c'est inévitable. C'est pour ça qu'il est à la maison, c'est pour ça que toi-même tu l'as choisi. Ok? Ok. Tu sais quoi? Laisse-moi le lui parler d'abord. Je dois établir quelques règles. J'y reviens. Ok. Alors, quand il sera en pleine action, tu vois ce que je veux dire? Oui, madame. Marie, je veux que tu te couches immobile. Couche-toi droite comme une planche. Pas de mouvement inutile. Pas de bruit, rien du tout. Sois juste là. C'est un travail que tu es venu faire, c'est un devoir. Alors sois professionnel. Va là-dedans. Fais le travail. Quand il aura fini, couvre-toi et regarde le mur. Jusqu'à ce qu'il parte, quand il part, merci, monsieur. Pendant qu'il est en train de partir, bonne nuit, monsieur. Et c'est tout. Pas de conversation. Ok, madame. Et Marie, je ne veux pas c'est... Hey, oh, ah, champion. Non. Nous ne faisons pas ça ici. Nous ne faisons pas ça. Juste, en fait, voilà tout ce que tu pourras faire. C'est tout ce que tu peux faire. Même ça, ne pars pas très loin avec. Hein? Ce n'est pas permis. Pas de bruit. Pas de conversation. Pas de bruit. Je ne sais pas comment les femmes de ta communauté font. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elles font? Quand mon homme est sur moi, je dis... Viens bien me cogner. Viens me donner sa force. Non. Marie, ce n'est pas permis ici. Ce n'est pas permis ici. Non. Ce n'est pas permis. Mais. Dis mais. Marie, ce ne sera pas accepté non plus. Non. Non, c'est absolument pas acceptable ici. Oui, madame. Et tu ne peux pas faire ça ici. Comme je l'ai dit, le silence est bien. Le silence, c'est la base. Sois professionnelle. Marie, tu sais quoi faire. Fais-le. Une fois que l'affaire est terminée, c'est bon. Est-ce que tu connaissais Abel avant d'arriver ici? Est-ce que tu connais mon mari? Ah, non. Est-ce que tu l'aimes? Ah, non. Est-ce qu'il t'aime? Alors, à quoi ça sert de causer? À quoi ça sert les bruits? À quoi ça sert les conversations? Non. Hein? Couche-toi là, ouvre tes jambes. Il fait son travail et il s'en va. Hein? Pas de bruit. Fais ton travail et crois-moi, quand tu auras terminé, qu'on me donne des bonnes nouvelles. Alors, je te donnerai une boîte de chocolat demain. En vend juste en bas de la rue. Il va aller te les acheter, je te le promets. Merci, madame. Et à part cela, je vais personnellement te récompenser. En espèces. Merci. J'ai de l'argent, mon mari a de l'argent. Juste fais ce que je t'ai dit. Suis ces règles, c'est tout. Les règles ne sont pas beaucoup. Marie, est-ce que c'est le cas? Non. Elles ne sont pas énormes. Juste, fais bien. Fais très bien. Et tu auras ta récompense. Oui, madame. Je te parle de femme à femme. Tu comprends, n'est-ce pas? Oui, madame. Alors, marché conclu? Oui, madame. Non, quand je dis marché conclu, tu dis marché conclu. Alors, marché conclu? Marché conclu. C'est ça, marché conclu. Oui. Et tu sais, Marie, quand je te vois, je vois une femme très intelligente. Oh! Et tu sembles très... Je suis sûre que tu ne vas pas oublier tout ce que je t'ai dit avant qu'il n'arrive. J'ai oublié. Non, Marie, tu ne vas pas oublier. Non. Tu ne vas pas oublier. Je n'ai pas oublié. Dis que tu ne vas pas oublier. Non. Je ne vais pas oublier. Marie, tu ne vas pas oublier, n'est-ce pas? Oui. Je ne vais pas oublier. N'oublie pas, d'accord? Fais comme on a dit, hein? Je te fais confiance. De quoi épouses doivent se soutenir? Marché conclu. Marché conclu. Marché conclu. Marché conclu. Viens, approche-toi. Viens, approche-toi, approche-toi. Viens, approche-toi. Viens là. Viens. Tu es timide.
Je ne suis pas timide. Tu n'es pas timide? Je suis sûre. Ok, ok, regarde-moi. Regarde-moi, regarde mes yeux. Regarde-moi. Qu'est-ce que tu vois? Allez, qu'est-ce que tu vois? Tu es un bel homme. Toi aussi, tu es une très très belle fille. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis contente. Ma tendre et très chère future femme. Mon tendre et très cher mari. Waouh, j'aime ton corps, il est doux. Je veux te dire quelque chose. Dis-moi. Est-ce que tu peux embrasser? Je peux embrasser? J'aime beaucoup embrasser. Qu'est-ce que tu aimes d'autre? J'aime quand on lèche mon... Tu veux lécher. Dire... Tu es en train de parler de lécher en bas là, genre juste en bas? Oui. Tu dis ça? Oui. T'es une cochonne. Tu jouais la timide, pourtant t'es une mauvaise fille. C'est ça, n'est-ce pas? Vas-y, couche-toi. Oui, vas-y, couche-toi. Hein? Je veux que tu sois heureuse, ok? Oui. On le met ici. Laisse-moi faire. Bébé? Oui? Mais tu n'as pas encore fini de te laver? J'ai presque terminé, bébé. Je me verse juste de l'eau. Bébé, tu sais, tu es une tigresse. Oh, merci. Toi-même, tu vois que la chaleur dans cette chambre est vraiment insupportable. Je veux déménager dans la maison principale, originale. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La clim ici ne fonctionne plus. J'ai été dans cette chambre pendant un long moment avant que tu ne viennes ici. Et donc, c'est dans la maison abandonnée que vous m'avez installée? Oh. Désolé bébé, désolé, les choses vont changer. Je vais trouver un meilleur endroit. Ok, en passant, d'accord. Tu es très bonne, ah, très très bonne. Donc, tu as aimé? J'ai adoré! Donc, c'est plus bon qu'avec Rose. Je savais que tu n'allais pas parler. Tu es un vilain, vilain garçon. Et tu aimes les bonnes choses sucrées comme ça. Désolée. Ah, c'est bon, c'est bon. Oh. Je veux que tu m'accompagnes à Osunosobo. Pour aller voir ma famille. Comme ça, tu pourras payer ma dot. Tu as raison. Tu vois cette nourriture que tu viens de manger, c'était simplement l'entrée. Le plat de résistance est encore dans la réserve. Oui. Et je vais te servir ça encore, très encore chaud. Plus. Oui. Ok. Alors, tu dois te dépêcher pour payer la dot. D'accord, d'accord. On le fera. Okay. Viens ici. Alors, je crois qu'on devrait faire un autre tour. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oh, oui, je suis excitée. Tu es excitée? Oui. Tu le veux à cheval? Ah, oui, je le veux à cheval tu aussi. Tu veux à cheval? Tu le veux à cheval? Thank you.
Alors, j'imagine que ce n'était pas bien. Très ennuyeux, si je peux le dire. Ah. Mais je devais le faire. Me débarrasser de ça. Désolée, mon amour. Vraiment désolée. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je pourrais me rattraper. Non, allez. Je ne suis plus d'humeur. Elle vient de me foirer la nuit. Je suis vraiment désolée. Alors, est-ce que vous avez causé? Est-ce que tu lui as parlé? Non, rien. Il s'est juste couché là comme une planche. Juste immobile. Ah, je suis désolée, vraiment désolée. J'imagine ce que tu as pu endurer. Je vais lui parler, essayer de lui dire de s'améliorer. C'est bon. C'est mieux comme ça. Ok, alors... juste, va sous la douche, douche-toi et je serai en train de t'attendre pour te faire des câlins. D'accord. Ok. Vraiment, désolée. C'est rien, bébé. Ok. Marie, bonjour. J'espère que tu as bien dormi. Je n'ai pas bien dormi. La chambre que tu m'as donnée dans la garçonnière, la clim là-bas ne fonctionne pas. Je veux te demander, pourquoi est-ce que tu m'as donné une chambre dans la garçonnière et toi tu vis dans la maison originale? Pourquoi est-ce que tu me laisses dans une chambre où il fait chaud? Alors que toi, tu dors dans une chambre qui a la clim. Celle-ci n'a pas mis long pour montrer son vrai visage. On aura tout vu. Vraiment? Moi, je n'ai rien fait, oh. Toi et moi sommes des co-épouses. Les choses que tu reçois sont celles que je reçois. Et Belly est satisfait avec moi. Ou il ne t'a pas dit? Alors, je ne vais plus vivre dans la garçonnière. Je vais vivre dans la maison originale. Tu sais quoi? Peut-être qu'il est temps que tu partes de chez moi. Sortir? Oui. Ce n'est pas... Je ne peux pas supporter à cet instant de gérer une migraine venant de toi. Non. C'est trop tôt. Beaucoup trop tôt. Tôt. C'est très tôt. Je ne vais pas partir. Je ne vais pas partir. Laisse-moi te dire. Je viens de l'état d'Osuno-Sobo. Si je m'en vais dans mon village, et Belly et toi, vous n'allez plus jamais voir l'argent de toute votre vie. Vous n'allez plus jamais progresser de toute votre vie. Oui. Alors, mes babouches vont rester ici. Je vais dans la chambre et je ramène mes affaires. Je vais vivre dans la maison originale. T'as pigé? Mon amour, alors j'ai entendu dire que c'est ici que tu as déménagé. Oui. Mais j'ai aussi entendu que tu as dit à ma femme que nous avons passé un bon moment la nuit dernière. Et? Pourquoi? Est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas dit que tu es en train de mentir, mais... Je veux dire, tu n'étais pas obligée de lui dire. Elle est blessée. Ouais, je voulais qu'elle s'habitue progressivement. En fait, qu'elle le fasse petit à petit, qu'elle accepte l'idée qu'elle me partage avec une autre femme. C'est pour ça que tu m'as traité de robot. Tu m'as traité de noix de cola. Hey! Non, je ne l'ai pas dit. Eh bien, le même traitement que tu lui accordes à elle, accorde-le moi aussi. Il n'y aura pas de problème. Ok, d'accord. Je comprends. Je comprends qu'aucune femme n'aime être traitée comme une moins que rien. Qu'elle soit petite ou même grande. Qu'elle soit instruite ou pas instruite.
N'est-ce pas? Oui. Tu vois pourquoi je t'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est simplement parce que tu es un bon garçon. Oh! Et en plus, tu n'es pas intelligent. Ah! Tu veux dire que je suis intelligent? bien. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour te rendre heureuse? Comme ça, tu pourras être en paix avec ma femme, Rose. Et avec tout le monde dans cette maison. Maintenant, tu parles bien. Je voudrais que tu m'accompagnes à Osunosobo. Viens voir ma famille et paie ma dot. Quand tu auras payé ma dot, ce sera fini. Plus de problèmes dans cette maison. Il y aura la paix partout. Si je suis contente, tout le monde sera content dans cette maison. Est-ce que tu sais à quel point tu es belle quand tu es comme ça? Ne me touche pas. Ah, non. Viens juste là. Viens. Je ne viens pas. Viens là. Paye d'abord ma dot, ensuite je vais venir. Ok, viens juste te coucher un peu. Ah, approche-toi de moi. Je ne vais pas me coucher. Ah! Je suis en vexation. Je ne vais pas me coucher. Lève-toi, tu pars. Allez, commence à partir. Tu ne me touches pas jusqu'à ce que tu paies ma dot. Allez. Marie, allez, viens. Aide-moi juste un peu. Viens avec ta poitrine. Ok. Tu vas payer ma dot. Ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Question que tu sois heureuse. Bonne fille. Je vais m'occuper de tout, hein? Je vais te rendre heureuse. Et comme ça, tu seras plus fâchée, ok? Ok. D'accord. Allez, lève-toi et retourne-toi. Lève-toi. Tourne un peu, vas-y, tourne. Hey. Je vais m'occuper des choses, ok? Quelle est gay? Si elle est gay. Papa, regarde, tu sais que je ne prends aucune décision sans préalable t'en parler. Écoute, regarde, j'ai une situation. Ma nouvelle copine, elle a un problème avec le fait qu'elle vit avec moi et qu'elle joue le rôle d'épouse. Tu vois, on couche ensemble. Mais pourtant, sa dot n'a pas encore été payée. Oui, papa, écoute, je ne voudrais même plus en parler. Je ne veux pas parler de ça à Rose avant qu'elle ne voie que je profite bien de cette nouvelle femme. C'est pour ça que je me presse à rendre les choses formelles. Oui, papa, écoute, Rose et toi avez une parfaite relation. Je crois donc que tu devrais en parler avec Rose. Elle pourra t'écouter. Bien sûr. Est-ce que je paye la dot? Oui, bien sûr. Papa, c'est bon. Elle est bonne. Elle me respecte. Et je profite actuellement de tout. Ouais, bien sûr. C'est tout un cadeau, papa. Ok, d'accord. D'accord, ok, parfait. Je vais t'attendre. Ok, bye. Ah! Papa! Hey! Bienvenue! Alors, laisse-moi t'aider! Bienvenue, j'espère monsieur! J'espère que mon fils est là! Oui, il est là! très bien! Je vais fermer! Ne vous en faites pas! J'ai convoqué cette réunion en toute urgence pour parler des affaires qui concerne chacun de nous. Hein? Mon fils ici n'a pas pu parler de lui-même. C'est pour cela qu'il m'a invité pour venir parler. Hein?
En tant qu'une affaire urgente, la dot de Marie doit être payée. Elle vit dans cette maison, mange dans cette maison, boit dans cette maison, sans que sa famille ne sache qu'elle est ici. Hein? Nous devons connaître sa famille. Et sa famille ne nous connaît pas. Non, ça ne doit pas être comme ça. Hein? Nous devons connaître sa famille. Nous devons aller payer sa dot en tant qu'une affaire urgente. Comme ça, elle deviendra une épouse. Officiellement. Ah, merci. Merci, papa. Dieu va te bénir. Les paroles que tu viens de prononcer me donnent vraiment la joie dans le cœur. J'apprécie, papa. Ça me rend très heureuse. Ah, merci, papa. Quelle humilité. Aïe. J'aime ça d'elle. J'espère que tu vas continuer à aimer ton mari et le respecter de cette façon. Tout le temps, monsieur. Papa. Hein? Merci pour ce speech qui aide à expliquer à ma femme. Hé hey! Pas ta femme, ta première femme. Parce que maintenant, tu as deux femmes assises à tes côtés. Hein? Ta première femme est Rose. Ta deuxième femme est Marie. Hein? D'accord, papa. Il faut toujours faire la différence comme ça. On saura de laquelle tu es en train de parler. D'accord, d'accord. Chérie, tu es en fait venue avec avec Marie pour être ma femme. Et je crois que payer sa dot est une façon honorable de commencer. C'est juste une petite formalité. Mais comme tu peux le constater, c'est la meilleure des choses à faire. J'espère que tu comprends. Tu dois... Abel, je voulais qu'on prenne notre temps. Examinons d'abord toute cette situation. Papa, elle dit qu'on perd le temps. On perd le temps. Est-ce qu'Ebeli perd le temps pour entrer dans ma chambre? Ebeli vient dans ma chambre. Il pile mon igname, pile mon igname, pile mon igname tout le temps. Allez, s'il te plaît, ne dis pas ça. Je ne viens pas pour plier ton igname. Je vais juste venir performer mes obligations conjugales que j'ai envers toi. Et tu n'as pas un champ d'igname, n'est-ce pas? Et non. Je ne suis pas ton igname, ok? Alors ne dis pas les choses comme ça. D'accord, bébé. Elle ne m'a pas épousée. Je suis sa femme. Son mari nous a épousés toutes les deux ensemble. De toute façon, je suis content qu'elle puisse parler pour elle-même. Hein? Elle n'est pas une idiote. Qui va juste tout accepter. Mais tout ce que je veux, c'est qu'il y ait de la paix dans cette maison. Hein? La paix. Entre vous deux, vous devez vivre, trouver un moyen de vivre en paix. Hein? Et ne pas se chamailler tout le temps. Bien que je sais que deux femmes ne peuvent pas vivre dans une maison sans se chamailler. Surtout quand elles sont mariées à un mari. Mais tout ce que je veux, c'est la paix. Abel, oui, c'est papa. Mieux pour toi qu'elles se chamaillent entre elles et pas contre toi, toi le mari. Papa, hein? Elles se chamaillent avec moi. Tout le temps, elle se chamaille avec moi. Elle m'a envoyé dormir dans la garçonnière. L'air conditionné là-bas ne fonctionne pas. Le ventilateur, ça fait du bruit. Ah. Quand Ebeli vient piler mon igname, c'est conjugal. Ok, c'est bon, dis ce que tu voulais dire. Me conjuguer, son nez... Il l'a vu... Vas-y, Santali, parle. Ebeli l'a vu là-bas. Il l'a vu. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, Abel, cette réunion est terminée. Excusez-moi. Ah. Elle s'en va. Hey. Ok.
Bébé. Abel, alors tu vas vraiment prendre une seconde épouse? Allez, bébé, que veux-tu que je fasse? Tu connais la raison pour laquelle je fais ça. Tu connais la raison pour laquelle nous faisons ça. Alors faisons une FIV. Faisons une FIV. Nous pourrions la payer pour prendre ses ovules. Tu donnes ton sperme et nous faisons une FIV. Tu veux les pousser? Regarde, bébé, ça échoue aussi. L'insémination échoue aussi. Regarde, ce n'est pas une garantie. Et si ça échouait, c'est coûteux. Tout l'argent que nous allons dépenser sera gaspillé. C'est un gaspillage de fonds inutiles. Et si ça échouait, tout ton argent sera parti. Je ne crois même pas en ça. Mais ma famille ne croit pas en ça. Et en faisant ça, s'il y a une erreur quelque part, et si on utilisait le sperme de quelqu'un d'autre, pendant le processus, à coup sûr, nous allons avoir un étranger dans notre maison, l'enfant de quelqu'un d'autre. Bébé, je ne suis pas à l'aise avec ça. S'il te plaît, je ne suis pas du tout confortable avec tout ça. Bébé, allez, j'ai besoin de ton consentement. Je veux que tu me dises d'aller de l'avant et de payer la dot de Marie. Je veux que tu sois avec Abel, moi. Fais juste ce que tu as envie de faire. Laisse-moi aller hors de ça. Fais ce allez, que tu bébé, peux faire. Bébé, ne dis pas pareille chose. Ali, s'il te plaît, ne dis pas ça. S'il te plaît. Bébé, regarde. Ceci ne va rien briser entre nous deux. Je te le promets, bébé. Rien, s'il te plaît. Regarde. Bébé, en plus, ce que nous avons, ce que nous partageons est profond, c'est spirituel, c'est émotionnel. Nous sommes liés, ensemble. Pour Marie, c'est rien, c'est une étrangère. C'est juste quelque chose de physique. C'est comme des animaux, c'est quelque chose de physique. C'est comme deux animaux. C'est juste quelque chose que nous voulons. Bébé, j'ai besoin de ton consentement. Que tu me dises d'aller de l'avant. S'il te plaît. S'il te plaît, chérie. J'ai besoin de ton consentement pour ça. S'il te plaît. Bébé. S'il te plaît. Je veux ton consentement. Est-ce que j'ai le choix? Est-ce que tu as le choix, Rose? Abel, c'est bon. Abel, oui, tu peux payer sa dot. Bébé, est-ce que ceci va affecter quelque chose entre nous deux? Je ne sais pas. C'est le cas? Non. Impossible. Ça ne le fera pas, non. Parce que, non, regarde, rien ne pourra changer. Après, quand on aura un enfant, tout sera pareil. Rien ne pourra changer entre nous deux. Rien ne pourra changer entre nous deux. Ok. Ok? Ah, viens là, viens là. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Cesse de pleurer, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Tu sais que je t'aime. Nous devons juste avoir un enfant. Je sais que c'est dur, mais j'ai besoin que tu sois avec moi sur ce coup, s'il te plaît. Ok? Désolé. S'il te plaît. S'il te plaît. Désolé. Ok? Batambele kuluma atie. Woman, give me batambele kuluma atie. Bansye asikue, bansye asikue, bansye asikue,
Bansier Asikoué, Bansier. Aloy, mon cher. Bonjour, madame. Hey, Aloy, je sais que tu es surpris que je t'ai appelé mon cher. Eh bien, c'est parce que je suis contente et je jubile aujourd'hui. Tu veux dire que tu n'es pas au courant de ce qui va se passer ici aujourd'hui? Tu n'es pas au courant? Hey, regarde-moi, regarde-moi. Aloy, regarde-moi, regarde-moi. Écoute, aujourd'hui on paye ma dot. Ils vont payer ma dot. Et Belly et papa sont en train de s'habiller. Et Rose aussi. Félicitations, madame. Hey, merci, merci, merci. Aloy, je veux juste dire... Ah, Aloy. Je voulais juste te dire que je suis contente. Je suis très contente. Et comme je suis contente, je veux dire que je suis... méconnaissante. Non, reconnaissante. Ou c'est gracieuse, lequel? Peu importe. Pour tout ce que tu as fait pour moi. Pour tout ce que tu as fait pour me sortir de mon ancienne vie et m'emmener ici pour profiter. Aloy, je suis très contente. Hein? Et je voudrais dire que je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée pour toutes les fois où je t'ai fait de mauvaises choses. Ce n'était pas mon intention. Ne te fâche pas. Aloy, Aloy, regarde-moi. Regarde-moi. Ojokoro. Et alors, tu vois, je suis contente. Je veux aussi que tu sois content. Merci beaucoup. Je suis toujours ta madame, mais si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. Oui, madame. Ne dis plus oui, madame. Tu vas dire... Je veux monter à l'étage et terminer de me préparer. Regarde-moi. Regarde-moi, comment tu me trouves? Je suis sexy? Tu es sexy. Je suis sexy? Je suis sexy? Tu es Regarde-moi. Tu es sexy. Comment tu me trouves? Regarde-moi. Je tu suis es sexy. Tu es sexy. Apprécie-moi. Mary la sexy. Apprécie-moi. Tu es sexy. Mary la sexy. Apprécie-moi. Top là. Aloy. Je suis toujours ta madame. Ne l'oublie pas. Oui, madame. Je reviens. Ha! Hey! Et que les bêtises, oh les bébés! Ok, je vais toucher ça. Et c'est toi qui vas faire la cuisine. Tu es folle. Tu vas faire mon plat. Tu es folle. Je suis folle. Tu sais que tu vas me tuer un jour. J'ai fait le plat favori l'autre jour et tu t'es régalé. Tu es une vraie folle, là, toi, là. C'est un gros mensonge. Jamais. S'il vous plaît, je ne cherche pas les problèmes. Je ne cherche pas les problèmes. Je veux juste déposer toutes les belles choses que mon cher mari m'a achetées. Je veux les garder ici. J'ai le droit de les mettre dans la chambre de mon mari. Cette chambre est un compte joint pour nous tous. Ce n'est pas pour Rose. Tikina, s'il vous plaît, je veux dormir sur le lit conjugal. Tu y es le diable. Moi aussi, je veux me détendre un peu. Et qu'est-ce qui se passe ici? Abel, c'est quoi ça? Tu vois ça? Tu y es le diable. Marie, tu y es le diable. Si moi, la deuxième femme, je suis le diable, tu es le premier diable. Ah, Abel, Abel, regarde ce que je subis. Regarde. Tu vois le mépris? Tu vois ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu vas m'expliquer ton problème? Attends, dis-moi, pourquoi est-ce que tu es venu dans la chambre de cette manière? Hein? S'il te plaît, arrête de pleurer. Tu sais quoi? On va devoir arranger les jours. Tu auras tes jours à toi. Pour être avec moi et ma femme aura aussi ses propres jours. Tu ne peux pas juste entrer pendant que nous sommes sur le lit ensemble. Elle a pris mon tour. Elle a pris mon non, tour. Non, voyons, voyons. Arrête de pleurer. Tu ne peux pas pleurer dans cette maison. Arrête de pleurer. Non, elle non, m'a non, insulté. Non. Hey, arrête de pleurer, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Marie, arrête de pleurer. Ça va. Arrête de pleurer.
arrêt de pleurer. Hein? Elle m'a grondée. Tu dois apprendre à respecter mon épouse. Hmm? Pourquoi tu ne l'as pas grondée quand elle m'a grondée? Parce que tu es entrée dans la maison comme ça, quand on était sur le lit. Mais c'est un lit conjugal pour nous tous. Mais tu dois respecter le fait que tu l'as d'abord trouvée. C'est quand même ma première femme. Ok, arrête de pleurer. C'est bon. Arrête de pleurer. C'est bon. Arrête de pleurer. C'est bon, c'est bon. Ok. C'est quoi ça? Dégage de là. Arrête. Lève-toi de là. Je vous demande d'arrêter. Arrêtez. Les deux, arrêtez-moi ça. Stop. Arrêtez ça. Qu'est-ce que ça signifie? Chérie, calme-toi. Non, mais qu'est-ce que ça signifie? Calme-toi, je vais gérer cette situation. C'est du crétin. Diable, démon. Ok, chérie. Alors c'était ça ton plan? Non, Abel, laisse-moi parler. C'était ton plan depuis le début. Venir dans mon foyer et m'arracher mon mari. Prendre ma place et me mettre à la porte. Marie, c'était ton plan, c'est pour ça que tu t'es comportée comme une mendiante quand je suis venue te chercher. Alors c'était ton plan? Tu n'es pas du tout humble. Tu ne me respectes pas. Mon cœur, ça suffit. Marie, vas-y, retourne dans ta chambre, ok? Elle me gronde et tu ne dis rien. Vas-y, retourne dans ta chambre. Ça suffit, Marie. Tape-la. Marie, je te demande qu'elle me batte. Vas-y. Qu'elle me batte. Elle est diable. Et qu'elle me batte. C'est bon, chérie, c'est bon. Laisse-la retourner dans sa chambre. Va dans ta chambre. Marie, va dans ta chambre. Pourquoi tu ne la tapes pas? Va dans ta chambre, s'il te plaît. Va dans ta chambre. Pourquoi? Abel, c'est maintenant ce que je vis dans ta maison. C'est maintenant ce que je vis dans ta maison, Abel. C'est bon, calme-toi. Abel, respecte-moi. Je te souhaite tout le malheur du monde. S'il te plaît, calme-toi. Abel, voilà ce que je vis dans ta maison. Avec cette illettrée, cette souris. C'est toi. Hein? C'est toi qui m'as amené dans cette maison. J'ai amené Marie dans cette maison. Oh oui, tu l'as reçue. Je l'ai amenée, tu l'as reçue. Pourquoi n'as-tu pas dit non? Pourquoi tu n'as pas dit non? Tu passes ton temps à dire je vais. Tu vas te rassurer de quoi? Tu n'es pas. Je ne suis pas. Abel, tu aurais pu dire non à ton père. Bébé, tu aurais dû rester auprès de ta femme, tu aurais dû rester à mes côtés. C'était pour nous deux. Pour nous deux, comment? C'était juste pour C'est toi qui es couché là, tu profites de combien de femmes maintenant? Mais bébé, combien de femmes maintenant, Abel? Abel, tu es sûr que c'est pas toi qui as attaché mon utérus pour pouvoir profiter de toutes ces femmes? Je ne profite de rien. Je ne profite de rien. Tu es sûr que c'est pas toi qui as attaché mon utérus pour profiter de tout ça? Est-ce que tu sais à quel point c'est difficile pour moi de coucher avec quelqu'un d'autre? Excuse-moi. À quel point c'est difficile? Ça n'avait pas l'air si difficile que ça. Je suis juste doux à cause des enfants, bébé, voyons. Quel enfant? Pour qu'on ait des enfants. Quel enfant? Combien vous en avez déjà? Pardon? Combien est-ce que vous en avez déjà, Abel? C'est encore. Je subis tout ça. Désolée, mon cœur. Écoute, je... Bébé, je souffre. Calme-toi, bébé, calme-toi, je t'en prie. Abel, mais qu'est-ce que c'est? Marie! Rose! Mais qui va dormir avec moi dans cette chambre? Tous les deux! Vous m'avez tous les deux laissé maintenant. Alors, voilà qui tu es. C'est comme ça que tu es. Tu as fait semblant d'être gentil, d'être une bonne personne, d'être respectueuse, m'appelant madame, par-ci et par-là. Mais ce n'était que des faux semblants, n'est-ce pas? Marie, c'est moi qui t'ai amenée dans cette maison. Je t'ai trouvée et je t'ai amenée dans cette maison, pas Abel. Je t'ai ramassée du taudis où tu vendais de la merde. Et je t'ai amenée dans cette maison, pas mon mari, Abel. Le moins que tu pouvais faire si tu ne peux pas m'être loyal, c'est de me respecter. Marie, tu es une fausse personne. Tu es un poisson lent. Tu n'es rien d'autre qu'une traîtresse. Oh mon Dieu, Marie, je t'ai parlé. Je suis venue à toi, de femme à femme. Ne me touche pas. Si ce n'était pas moi, tu serais dans le taudis en ce moment. Maintenant, tu serais dans le taudis. Tu me traites de taudis? Ah! Rose, tu me traites de taudis? Ah! Rose, tu me traites de taudis? Ok, je ressemble au taudis. Dieu merci, je ressemble au taudis. Je ressemble au taudis, mais je suis plus bonne que toi.
Et Belly le sait. Et Belly m'a dit que j'étais plus sucrée que toi. Il m'a dit que j'étais plus bonne que toi. Igogwono. Hein? Toi. Et Belly m'a dit que tu étais très faible au lit. Que je suis un tigre au lit. Tigre au lit. Tigre au lit. Tigre. Oui. Je suis un tigre au lit. Lit, lit, lit. Un tigre. Un tigre. Un tigre au lit. Au chichko. C'est passé. Hey, depuis le matin, je ne suis pas contente. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Belly et Rose, ils abusent de moi. Il m'a insultée à cause de sa femme. Ah. Et Belly, il m'a insultée. Il a vu sa femme qui m'insultait. Il a aussi commencé à m'insulter. Ah! Et Belly d'avant me donnait l'argent pour me coiffer. Maintenant, il ne le fait plus. Il ne me donne plus d'argent pour ma coiffure. Il dit que je cause des problèmes tout le temps. Je cause des problèmes comment? Je ne cause pas de problèmes. Hein? Et Belly? Il m'a insultée. Ah! Aloy? Ah! Ils sont en train de me punir. Viens. Désolé. Désolé, madame. Hein? Désolé. Ne m'appelle plus madame. Ce n'est pas le moment pour madame. Dis juste Mary, bébé. Bébé Mary. Maintenant, viens me serrer. Oh, Seigneur. Viens. Dis Mary, bébé, bébé. Bébé Mary, bébé, 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 bébé. Mary, bébé, bébé. Bébé, bébé, bébé. Mary, bébé, bébé, bébé. Mary, bébé, bébé, bébé. Mary. C'est bon. C'est bon. Ça suffit. C'est bon. Il dit Mary, bébé. Bébé, Mary. C'est bon. C'est bon. Ça suffit. Calme-toi. C'est bon. Désolé. Zazo, zé. Bobo, soa, zé, zé. Oui, zé, eh. Alors, chose. Oui, madame. Alors... Bonjour, madame. Bonjour. Tu as l'air très content aujourd'hui. Oui, oui, madame, je suis très heureux. Et tu as gagné le jackpot la nuit dernière? Non, non, non. Non, je suis content de la vie. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je suis reconnaissant pour ça. C'est tout, madame. T'es chanceux. J'aurais aimé dire pareil. Alors, Chios. Madame. Cette fille ou femme que tu m'as introduite pour épouser mon mari, d'où est-ce que tu la connais? Je la connais, ça fait très longtemps. On vivait dans le même quartier, madame. Mm-hmm. Oui, madame. Donc, tu la connais très bien. Assez pour te porter garant pour elle. Oui, madame, je peux me porter garant d'elle. Donc, tu ne savais pas que cette fille est une fille à problème? Et qu'elle n'est rien d'autre qu'une hypocrite et une manipulatrice? Et une femme méchante et déloyale. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? Elle est impolie, elle est grossière, elle est dégoûtante et elle est irrespectueuse. Et ce qui m'énerve le plus, c'est le fait qu'elle pense qu'elle peut me voler mon mari. Oh, s'il vous plaît, madame, laissez-moi essayer de lui parler. Elle a peut-être perdu la tête. S'il vous plaît, madame, je suis désolé, je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, madame. Tu ferais mieux de la ramener à l'ordre. Dis-lui que mon mari et moi sommes ensemble depuis très, très longtemps. Beaucoup plus longtemps avant qu'elle n'arrive.
Quoi? Elle pense qu'elle peut se mettre entre nous? Mon mari va la mettre à la porte. Il va la jeter à la rue. Ah! Donc maintenant, elle pense connaître mon mari simplement parce qu'elle partage sa couche? Alors, Chios. Oui, madame. Tu ferais mieux de lui dire de surveiller ses arrières. Dis-lui de bien se tenir ou alors elle va retourner dans la rue où je l'ai ramassée. Oui, madame, je le ferai. Madame, tout d'abord, je veux m'excuser en son nom. Je suis vraiment désolé. S'il vous plaît, madame, peu importe ce qui se passe maintenant, je suis désolé. Je crois que le genre de vie qu'elle vit lui monte déjà à la tête. Donnez-moi du temps pour lui parler. Ce n'est pas mon problème. Et juste avertis-la. Allô, Chios. Madame. Avertis-la. Je le ferai, madame. Je vais l'avertir. Cette fille va m'attirer des ennuis. J'ai pensé à ça. Je savais que cette fille allait m'apporter les ennuis. Cette fille va m'attirer les ennuis. Ah. Mary. À l'œil, à l'œil, à l'œil. Stop, stop, arrête. À l'œil, à l'œil, à l'œil. Mary, 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 Mary. Touche-moi. Mary, 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 Mary. Madame Rose. Madame Rose n'est pas fière de toi du tout. Elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente? Je ne suis pas contente. Ça fait un partout. Personne n'est content. Alors, mais c'est quoi ça? Ça suffit. Je suis en train de te parler. Tu fais des choses pareilles. S'il te plaît, arrête. Tu as parlé? Je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Hein? Ok. Tout ce que tu as dit, c'est un partout. Écoute, Mary. Tout ça n'est pas du tout drôle. Tu veux qu'il me retire de mon poste? Tu veux qu'il me chasse de cette maison? Aloy, tu te fâches tout le temps. Écoute, quand tu te fâches, tout se met à briller. Briller, briller, briller. Tu es un arrête, beau garçon. Arrête, 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 arrête. S'il te plaît, hein. Respecte Madame Rose. Respecte-la. Je te supplie vraiment. Cette femme a traversé beaucoup de choses. Lâche ma main. Écoute. Seigneur. Si tu m'embrasses, je vais la respecter. Si tu ne m'embrasses pas, il y aura des problèmes. Oh. Il y aura des problèmes. Mouah. Mouah. Alors tu m'embrasses ou pas? Si tu m'embrasses, je vais la respecter. Si tu ne m'embrasses pas, je ne vais pas la respecter. C'est ton choix. Choisis. Choisis un. Un. Arrête, 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 arrête. Aloy. Arrête de te comporter comme ça. Tu te prends la tête pour rien, hein? Ce n'est pas bien. Écoute, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Regarde Abel. Ah! Il est comme le générateur. Téné, ta-ta-ta, boum, boum, boum. Deux femmes ne peuvent pas le gérer. On ne peut pas le gérer. Que toi et moi fassions le... Allez, allez. Arrête, allez, arrête, arrête. Mon arrête, petit arrête, sucre. Arrête, arrête. Tu m'as manqué. Ah, ça suffit. Tu m'as manqué. Non, arrête. Viens. Écoute, je vais aller dans la garçonnière. Tu vas me suivre. On va aller piler mon igname. Ah, Mary. Cet après-midi, avec ce soleil brûlant. Ah. Ah bah. Je suis à mon lieu de service. Et alors? Tu n'es pas mon copain? Mm-mm. Attends. 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 Oui. Et non. Que quoi? À présent, tu es marié. La relation continue. Ah! C'est maintenant ce que tu dis. Oh, Tilan, oh, Tideni. Laisse-moi te dire, hein? Quand je suis entrée dans cette maison, n'est-ce pas toi qui touchais mes seins? N'est-ce pas toi qui touchais mes fesses? Tu me touchais et tu pilais mon igname. Tu pilais mon igname matin, midi, soir. Maintenant, tu es fatiguée. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas fâchée avec toi. Aloy, je veux faire djé, 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 djé. Aloy, allons-y. Allez, ne fais pas ton visage comme ça. Allons piler mon igname. Piler mon igname. Allons le faire. Allons piler mon igname. Piler mon igname. Piler mon igname. Piler mon igname. Allez, à l'œil, à l'œil, à l'œil, à l'œil, à l'œil. Tu viens, à l'œil. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Ici, c'est la mixture de plantes dont je te parlais.
Ça n'aide pas seulement à nettoyer le ventre et l'utérus, mais à nettoyer l'utérus et à préparer l'utérus à porter l'enfant. Ça s'appelle un jour, un enfant. Un jour, une grossesse. Ouais. C'est quoi ce genre de mixture? Chérie, j'ai déjà bu tout genre de mixture, j'ai déjà pris tout genre de remèdes. Des mixtures de tout genre, des remèdes traditionnels. S'il te plaît, rien n'a marché. Genre, je ne peux pas tomber enceinte et c'est comme ça. Non! Ne dis pas ça, Rose. Écoute, on dit toujours tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Tu ne peux pas perdre espoir juste comme ça. Non! Ceci a aidé plusieurs femmes ici dehors. Même les cas les plus désespérés. Bon, écoute. Vas-y, essaye. Ok? Tu ne perds rien à essayer. De quoi est-ce que tu parles? J'ai déjà trouvé une femme à mon mari. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À quoi ça sert? Mais est-ce que tu vas continuer de vivre comme ça? Ce n'est pas comme si la soi-disante Mary te respectait. Elle ne le fait pas. Est-ce que tu vas continuer de vivre sous le même toit qu'une femme aussi toxique que Mary? Non! Elle n'est même pas encore enceinte, mais elle se prend déjà la tête. Qu'est-ce qui arrivera si par hasard elle porte l'enfant de ton époux? Je suis sûre qu'elle va monter sur ton visage avec des chaussures pointues et danser du makossa. Oh. Dis-moi que tu ne laisseras pas ça arriver. Que dois-je faire? Vas-y, essaye juste. Ifuama! Je t'ai entendu prononcer mon nom. Tu as crié Mary, Mary, Mary. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu prononces mon nom? Depuis le matin, ton ami et toi, vous faites du commérage sur moi. Vous faites du commérage sur moi. Hein? Ifuama, lève-toi et commence à partir. Hein? Moi? Ifuama, ceci est la maison de mon mari. Ceci est la maison de mon mari. Alors j'ai tous les droits de te chasser. Hmm? Alors commence à partir. Ifuama, assieds-toi, tu ne vas nulle part. Marie, c'est quoi ton problème? C'est mon invité. Ah, invité? Invité, pas de problème. Invité, assieds-toi là-bas. Si tu ne pars pas maintenant, tout ce que tes yeux vont voir, c'est à tes propres risques. Oui, pour ton propre bien, va-t'en. Attends, c'est ce que tu vis ici chaque jour? Mon Dieu, aie pitié. Tu peux le voir par toi-même. Attends, cette salive va bientôt sécher. Si tu ne pars pas d'ici, Attends, Rose, je vais... Ifuama, tu ne vas nulle part! Évitons ce genre de drame, s'il te plaît. Souviens-toi de ce qu'on dit quand tu te réveilles le matin et qu'une poule se met à te suivre. Tu ferais mieux de te sauver, parce que tu ne sauras jamais si la poule s'est fait pousser une dent de lion pendant la nuit. Dégage! Deux, trois, dégage, 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 dégage! Marie, c'était quoi cette bêtise? Comment oses-tu chasser mon invité de cette maison? Donc, parce que je ne suis pas allée à l'école, tu penses que je ne suis pas intelligente? Tu penses que je n'ai pas de sagesse? Ma sagesse est grande. Elle est très grande. Marie, dégage de ma vue. Hey. Fous le camp de ma vue! Ah, je vais dégager de ta vue. Mais il ne faut pas avoir l'hypertension. L'hypertension tue. Thank you.
mais franchement, s'il y a vraiment quelqu'un qui est plus riche qu'un millionnaire, cette personne, c'est évidemment un milliardaire. Oh, Abel, j'espère que ce n'est pas ce que tu as dit à la réunion. Je l'ai fait et tout le monde éclatait de rire. Sérieusement, je t'assure. Après M, c'est N. Alors après un milliardaire, nous avons un milliardaire. Et après ça? Et après ça, je... Tu sais que ça n'existe pas. Tu sais bien comment ça se passe. Mon chéri. Mon cher mari. Et Belly, tu m'as manqué. J'ai besoin de toi ce soir. Je suis en période d'ovulation et on doit le faire ce soir. Je ne peux pas rater ça. Rose, excuse-nous. Et Belly, tu me suis. Rose, tu vas dormir dans la chambre des invités aujourd'hui. Mon bébé et moi, et Belly, nous voulons faire la chose. Nous allons dormir dans la chambre conjugale. Donne-nous un peu d'espace. Marie, c'est bon. Mon amour, chérie, je reviens, okay? Hey! Ha! Ha! Ça veut dire quoi? Ha! Qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire quoi? Elle n'est pas ton amour. Elle n'est pas ton cœur. Je suis ton amour dans cette maison. Marie, ça suffit. Ah, donc, tu veux que je te donne cette chose? Que je te donne cette chose? Okay. Hein? Et Belly, et Belly? Et Belly, et Belly? Hey! Et Belly, et Belly? Ah! Et Belly, mon sucre! Mon corps est déjà tout chaud! Hey! Laisse-moi te montrer cette chose. Oh, et Belly, mon bébé. Et Belly, et Belly. Et Belly, et Belly. Et Belly, et Belly. Mon sucre chocolat. Mon sucre chocolat. Mon sucre, mon sucre, mon sucre. Mon sucre, mon sucre, mon sucre. Mon sucre, mon sucre, mon chocolat. Et Belly, chocolat. Allons-y, allons-y. Hey, mon chocolat. Hey! Allons-y. Tu m'as manqué. Tu es mon sucre. Oui, c'est ça. Ah! Et Belly, et Belly, et Belly. Je suis ton sucre.
Je veux démissionner. Je ne peux plus travailler ici. Je n'ai pas arrêté de penser à ça. De la façon que tu prends les choses, tu vas me mettre dans les problèmes. Et je ne veux surtout pas qu'on m'enferme dans une cellule de police à cause de toi. Ah, ah. Aloy, qui va t'enfermer? Qui? Mais monsieur, bien sûr. Ah, Aloy, c'est parce que je t'aime. C'est pourquoi tu parles et te comportes comme ça. Ah. Écoute, c'est toi qui m'as emmené ici. Et c'est toi qui veux me laisser ici. Pourquoi? Tu veux que je meure? Je meure? Écoute, arrête d'exagérer. Mais regarde-moi un peu. Un jeune bel homme, avec une très grande intelligence. Hein? Je surveille le portail de mon semblable. Et je couche avec sa deuxième femme. Ah ah. Mais réfléchis, ça n'a pas de sens, je ne peux pas. Aloy, laisse-moi te dire quelque chose. Si tu pars d'ici, je vais raconter à Ebeli toute la vérité. Oui. Le chantage. Tu ne peux pas m'empêcher. Je vais partir et je vais partir très bientôt. Tu ne peux pas m'empêcher. Aloy. N'importe quoi. Aloy. Aloy, tu veux me laisser ici. Aloy, tu veux me punir. Ah. Aloy, ce n'est pas bien, oh. Aloy, ce n'est pas bien. Hey, Aloy, tu n'es pas un homme romantique. Tu n'es pas un homme romantique. Aloy. Ah. Pourquoi tu m'as emmené ici, Aloy? Tu n'es pas... Ah. Il fallait me laisser là-bas. Ah. Ça suffit, allez, viens, viens. C'est bon, désolé, viens, viens là. J'essayais juste de te taquiner, ça suffit. Calme-toi, c'est bon. Toi, tu vas me causer des ennuis un jour. Je ne vais pas te causer de problème. Ok, couche-toi. Ok. Je vais faire quelque chose avec toi. Ok, c'est bon, c'est bon. Aloy, dis-moi que tu ne vas plus partir. Allez, embrasse-moi. Aloy. Aloy, mon chéri. Moi je t'aime, toi tu m'aimes. Ah, ah, ah. Je ne sais même pas comment chanter. Est-ce que... Thank you.
Mary, à l'œil. Avant. C'est donc ça que vous faites à la maison. Alors c'est ça que vous faites ensemble. Oh, monsieur, le diable, le diable. Le diable. Le diable. C'est elle. C'est elle, elle est le diable. Oh. C'est elle qui m'a attiré, monsieur. Mais mon Dieu, je le jure, monsieur. Mary, je t'ai dit que tu allais me causer des ennuis, je t'ai prévenu. Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mon cœur, viens à la garçonnière maintenant. Viens maintenant, s'il te plaît. C'est le diable, n'est-ce pas? Oui, c'est hein? Monsieur. Le diable, le diable. Je peux te chuter là diable. Maintenant. J'ignore comment je suis arrivé ici, monsieur. Où sont mes vêtements? Hey. Monsieur. Eh bien, Aloy a dit qu'il m'aimait. Aloy a dit qu'il m'aimait. Tu as perdu la tête. Aimer qui? Aimer qui? Ah. Eh, mon Dieu. Mon Dieu. Aloy a dit qu'il m'aimait. Aloy est un homme bon. Aloy est un homme bon. Honte à toi. Aloy. C'est Aloy est un homme bon. Et qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Tata Rose. Ne me dis pas que c'est ça à quoi je pense là. Il s'agit bien de ça. Aloy Chose. Ce n'est pas ça, madame. Hé, hey, tu racontes quoi? Mais ce n'est pas de Aloy Chose. Vous me connaissez, madame. Je vous en supplie, c'est le diable. Tu écoutes ça? C'est Aloy. Et ferme-la. Ferme-la. Ok, mon cœur. Je suis rentré depuis et j'étais devant le portail en train de klaxonner, klaxonner, klaxonner. Personne n'était au portail. Puis je suis descendu. J'ai entré à la maison par le petit portillon. Curiosité, je suis venu ici derrière. Question de comprendre ce qui se passe avec ce mec. J'appelle Aloy, Aloy. Je suis venu ici derrière. Puis j'ai trouvé les tourtereaux couchés l'un sur l'autre. Seul Dieu sait ce qu'ils ont fait ensemble. Couchés comme des chiens boiteux. Tata Rose, la très belle Tata Rose. S'il te plaît, aide-moi à supplier, Belly. Regarde-moi. Aide-moi. Regarde. Regarde ta femme. Ah, je ne suis pas sa femme. Supplie, monsieur Ebel. Je suis tellement déçue de toi. Madame, je suis sûre que je n'ai rien fait. Vous me connaissez, c'est le diable. Et ferme-la. Monsieur demande. Toi aussi, ferme-la. C'est ce que tu peux faire. Coucher avec la femme de ton boss. Je ne sais même plus comment t'appeler. Peu importe ce que tu es. Monsieur Ebel, Aloy a dit qu'il m'aimait. À chaque fois que je me fâchais dans la maison, je venais ici et il couchait avec moi. Il couchait avec moi. À chaque fois que tu ne me donnais pas l'argent pour ma coiffure, il me donnait l'argent pour ma coiffure. À chaque fois que tu ne me montrais pas l'amour, il me montrait très bien l'amour. Allez, parle. Aimer qui? Aimer qui? Ferme-la. Monsieur, monsieur. Dis-leur. Aloy, dis-leur. Dis-leur que tu étais mon petit ami avant que tu ne m'emmènes dans cette maison. Quoi? Mais quel copain! Mais quel copain! Pourquoi est-ce que tu me refuses? Hey. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu Hey, Aloy Sio! Ah! Aloy! Ah! Hé, hey, toi! Monsieur? Ça fait combien de temps? Avant la rencontre, on couchait ensemble dans le ghetto. Avant que je ne couche avec toi! Avant que je ne couche avec toi! Oui, monsieur, oui. Combien de fois? Combien de fois avez-vous couché dans cette maison? Ah! Un, deux, quatre, sept, neuf, vingt. Hey! Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup! C'est beaucoup. Tu sais quoi? Va dans la maison! Et prends tes affaires et dégage de ma maison. Sors de ma maison immédiatement. Dégage de ma maison maintenant. Dégage de ma maison. Je prends mes affaires. Je prends mes affaires. Aloy. Oh mon Dieu. Thank you.
Oh, ma vie. Mon Dieu, j'ai blessé ma femme. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mon Dieu. Oh, wow. Abel, tu dois oublier Marie. Hein? Je vais te trouver une autre fille, une autre femme. Il est temps de tourner la page. Tourner la page? Une autre femme. Dans cette maison. Papa, tu sais quoi? Ce n'est plus possible. Et il est très tôt pour commencer à avoir ce genre de conversation. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc tu ne veux pas une autre femme qui nous donnera un fils pour continuer avec notre lignée? Continuer jusqu'où? Perpétuer ce nom jusqu'où? Quelle ville? Quel pays? N'as-tu pas vu toi-même la quantité de problèmes que ça a déjà causé dans cette famille? Surtout avec ma femme? N'as-tu pas vu? Nous essayons de guérir de tout ce traumatisme. Donc, s'il te plaît, je te demande d'arrêter. Et permets-moi d'être clair avec toi, papa. Ma femme et moi, nous avons décidé que si nous avons des enfants, c'est bien. Dans le cas contraire, c'est toujours bien. Nous allons rester heureux ensemble. Parce que j'ai mon épouse. Ou peut-être adoptée. Jamais de la vie. Que Dieu m'en préserve. Papa, je pense que tu vis encore dans le passé. Hein? Parce que je ne comprends pas ce que tu fais ici. Tu vis dans le passé. Ha! Excusez-moi. Ok, bébé, tu vas bien? Oui. Mais que veux-tu dire par vous allez adopter? Je te l'ai déjà dit. Ha! Jamais de la vie. Je ne me vois pas encore avec une autre femme dans cette maison. J'ai déjà eu assez d'aventures comme ça. C'était... Ça ne sera plus notre sang. Papa, tu devrais avoir honte de toi-même. Honte de ce que nous avons fait dans cette maison. Honte de la douleur et de la tristesse que nous avons causée à ma femme. Tu crois? Chérie. Ouais. Est-ce que tu vas bien? Tu vas bien? Tu veux aller à l'hôpital? Non, je vais bien. Je veux juste m'asseoir. Ok, viens t'asseoir. Oui. Ah. Tu es sûre que tu vas bien? Je vais bien. Ah, ok. Ah. Abel. Oui. Je suis enceinte. Je m'en suis doutée il y a de cela un mois. Et je suis allée à l'hôpital hier et c'est confirmé. Je voulais te le dire à 3 mois, mais la fièvre matinale gâche toute l'affaire. Rose, tu es en train de te foutre de moi. Tu es quoi? Abel, nous allons avoir un bébé. Oh, je suis Dieu. Enceinte. Hey là, n'est-ce pas? Gloire à Dieu, tu es enceinte. Je suis enceinte. Oh mon Dieu! Oh non, tu portes mon bébé. Maintenant tu es un homme, le fils de ton père. Oh mon Dieu! Ce que nous avons cherché est ici parmi nous! Hey! Bébé, viens là! Bébé, viens là, viens là, viens là! Je veux que tu t'élèves! Doucement! Bébé! Hey! Hey! Ce qu'on a tant cherché! Oh mon amour! Je t'ai, mon amour. Merci. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, Père. Enfin, la honte a été ôtée. Ah, la honte a été ôtée. Je suis très content. Je suis tellement content. Content.
embrasse-moi. Aïe, 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 tu fais magie. Aïe, merci, oh, merci, aïe, merci, aïe, aïe. Nous allons avoir un bébé. Nous avons un enfant ensemble. Aïe, 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 aïe. Écoute, ça est pour toi. Aïe, 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 aïe. Hey, 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 hey. Le studio de doublage